chiant de ouf là. Vraiment, c'est très long. Hein. Et 21h10, frérot là. Ça fait une heure là. Une heure quasiment qu'on attend. Ça laisse place à l'introspection. Amen. On a une game, les gars, ça y est. Putain, il était temps. Culé, là. Il était temps. Ok, ok, ok. Allez, on y est. Bypass, du coup, ça sera Bourguignon contre Couman. Allez, let's go. Let's go. Couman, Bourguignon. On va mettre Gajamada en jaune, les amis. Et Grégory, du coup, on va le laisser en bleu ici. Hein. Bon, j'ai envie de dire que là, c'est assez face-up. Hein. Les styles de jeu proposés, a priori, Couman, ça va boomer 2 TC féodales. Pour ensuite débouler sur un timing impérial avec château, peut-être tout le bordel. Et Bourguignon, bah ça va essayer de jouer les reliques et boomer aussi hein, sur 3 TC, Castle Edge. Aucune surprise a priori, ouais. Et merci à toi, Lico, pour le resub. 47 mois d'abonnement apprécié. Bon, c'est pas sur cette game-là, hein. A priori, sur cette map-là du moins, qu'on va pouvoir déceler des choses, je pense. Parce que ce qui se fait sur ce genre de map, c'est plus ou moins tout le temps pareil, quel que soit le joueur. C'est plus sur des maps ouvertes qu'on peut voir les subtilités. Ouais. Sauf s'il y a un drop castle forward Bourguignon. Bon, enfin, j'y crois pas trop, je vois pas ce que ça accomplit ici. Un drop castle forward Bourguignon. Chercher un petit rhinocéros pour notre ami Grégory. Même timing côté Gajamada. Salut Olico. Bonjour. Oh, on a une autruche qui risette, hein. Toujours un petit peu frustrant ça, hein, pour le cher Grégory. Un petit peu dommage. On va s'y reprendre sur une nouvelle autruche, c'est pas très très grave. En ce moment, on fait exactement la même chose, hein, côté Gajamada, on le voit. Bravo quand même. Allez, voilà qui est fait. Il nous en reste une à aller chercher. On voit des fois aussi des joueurs qui vont chercher. Hein. Quelques zèbres, quelques extra zèbres sur les extrémités de map. Ouais, c'est bien rabattu ça aussi pour notre ami Grégory. L'image de Grégory, le moine, il tient une baguette. Ah ouais. Effectivement, Diablouz pour le 13e mois, merci bien. Oh là, je débarque. Ipenku égal, on ne sait pas qui est qui jusqu'à la victoire finale. Oh ta gueule, Diablouz, hein, par pitié. Hein. Prends l'exclamation pseudo, je t'en supplie. Hein. Je t'en supplie, bon sang.
on va jamais s'en sortir en fait. Hein. C'est dingue que chaque tournoi, il y ait toujours un truc. Hein. Il y a toujours un truc. Hein. Quand c'est pas l'hippopotame qui pleure, c'est quand est-ce que sont révélés les pseudos. C'est insupportable en fait. Allez, deuxième compte bûcheron pour notre ami Grégory. Pourquoi on le fait là alors qu'on aurait pu le faire là? Bizarre. Allez, une dernière autruche qui sera trouvée là du côté de Grégory pendant que notre ami Gajamada est en train d'arriver. Un bandeau défilant horizontal avec toutes les questions des toutes les réponses des questions redondantes sur le stream. Ça ne servira à rien, frérot. Ça ne servira à rien. Je mets un titre dans le chat, dans le stream, déjà il y a personne qui le lit. Ça sert à rien, frérot. Il y a des commandes pour tout, ça sert à rien. Allez, t'as mis une féodale en tout cas pour le joueur Kouman et le deuxième forum bien sûr à côté d'une pierre hein, au cas où. À prendre de l'or également côté Grégory. C'est totalement faux, Renadinho. Regarde, la semaine dernière, on a eu un partenariat avec, avec Perrier et ça s'est très bien passé. La commande a été pas trop lesque. Point Sam à son Perrier, si t'en doutes, tu le verras par toi-même. Hein. Oh, dis donc. Oh, il se passe des choses. Oh, Gajamada. Ok. Alors, attendez, on va peut-être avoir une game intéressante. Parce que là, je pensais qu'on se dirigeait vers une purge. Mais pas du tout. On a un petit peu d'action proposée par Gajamada. Un trush. On est tant sur 2 TC, donc, hein. Ok. Il va falloir réagir très vite côté Grégory. Ça vient tout de suite, hein. Doubler le wall, on le voit, du côté du joueur bourguignon. Cependant, on a une tour qui va popper. On a su trouver quelques palissades ici. Et merci à toi qui m'arrive pour Nissab, apprécier. Allez, marché forge, maison également. On essaie de re-wall, hein. Doucement mais sûrement. Il est aussitôt. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le fait de venir déranger comme ça le bourguignon dans son face castle. Là on le voit typiquement, il n'a pas de quoi cliquer le joueur bourguignon. J'aime énormément ce que propose le joueur Kouman. Énormément. Et une deuxième tour qui va bien sûr être trouvée, ça va répondre. Hein. Ce coup-ci on le voit par une tour également côté bourguignon. 70%, ouais la tour Kouman pour le coup pop pas là. Hein. Je ne pense pas du moins. Là le scout est en train de se faire target, ouais on va arrêter de la construire, non on y revient, non on arrête, on arrête, on arrête. Réactivité intéressante hein, côté Grégory. Un petit lancier également qui a été proposé pour le joueur bourguignon. Et c'est cliqué hein, côté bourguignon, nous y sommes. Villageois pour 29 actuellement. Ouais, on a vu qu'il y avait plus de pions dans la tour, donc on essaie d'y revenir hein, côté Gajamada. Sauf qu'on est encore une fois assez réactif côté Grégory. On a des joueurs assez réactifs, j'ai l'impression. On y revient pour une nouvelle tour dans cette zone côté Gajamada. Du wall up des fermes également pour le joueur bourguignon.
faut essayer d'aller chercher cette forge hein, pour le coup. Forge qui peut tomber très vite hein, pour le coup ouais, on le voit, perd pas mal d'HP. Commence à avoir également pas mal de ferme côté Gajamada. Allez, la caserne maintenant qui est trouvée, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on irait faire avec cette caserne côté Gajamada? Une forge maintenant midlife. On va faire la toilettage bien sûr en ouverture. Hein. Côté Bourguignon, on n'a pas le choix. Rappelons qu'avec Kuma, on ne peut pas cliquer tour de garde. Ça n'existe pas. L'écurie, le marché. Est-ce qu'on essaierait d'aller chercher un uptime château maintenant pour Gajamada, c'est la question. On a également quelques knights là, qui sont en train de patienter dans cette écurie. On va essayer de tenir la forge un minimum, hein, même s'il y a une tour. Ouais. Tout de suite, hein, on jump dedans côté Kuman. On a des joueurs assez réactifs hein, sur le papier là. Mongono qui est en train d'arriver. Et on va commencer du coup à répondre enfin. Bravo quand même. Allez, c'est cliqué. Côté Gajamada, nous y sommes les amis. L'âge des châteaux est cliqué. On vient refaire une deuxième tour ici pour essayer de gagner le plus de temps possible. Attention, deux knights qui sont maintenant en train d'arriver, c'est vu très vite. Encore une fois par Gajamada qui va jumper dans sa tour. Défense de Grégory plutôt intéressante hein, pour le coup. Ça va. Oh c'est bien joué ça. Oh oui c'est bien joué ça. Oh que c'est bien joué ça. Oh ouais ça joue très bien hein, côté Grégory. C'est du solide. C'est du solide. 1200 maintenant trouvé côté Kuman. Et la séquence va être la même, hein. On va trouver cette tour et les deux péons à l'intérieur qui vont mourir hein. Tout simplement sur ces deux knights. Très bien amené. Attention par contre, ouais. On s'est tiré dessus côté Bourguignon, on a perdu deux péons du coup à cause de ça, un petit peu regrettable hein. Allez, excellent. Heureusement, on est Kuman. Hein. Et par conséquent, avec le bonus Kuman du deuxième forum, on est bien. Malgré la perte de ces 4 villageois, on est très bien. On va refaire des tours en défense également côté Gajamada. Parce qu'on a bien compris que le Mongono était peut-être amené à aller voir ce qui se passe là-bas maintenant. Une, deux et trois écuries hein, pour le joueur Kuman. Hein. Waouh. Un troisième forum également qui sera trouvé. Et c'est des scouts hein, qui pour le moment sont proposés avec de la light cave à présent. On commence aussi à jouer les reliques hein, côté Bourguignon, on le voit. On va aller chercher celle-ci visiblement, mais attention. Le joueur Kuman qui rôde à côté avec un scout. J'ai l'impression qu'on a deux excellents joueurs là les amis. Hein. Steplancer maintenant qui vont commencer à voir le jour. Monastère également côté Gajamada. Ouais le moine hein, qui s'est fait prélever comme contenu. 10 beaux péons d'avance. Les up économiques en plus sont les mêmes. Même 20 villageois d'avance. C'est magnifique hein. Pour le joueur Kuma en tout cas. Très belle approche. La brouette également pour le joueur Kuman. Ouais, quelques Steplancers aussi peut-être qui pourraient rentrer dans cette économie. Hein. Attention tout de même. Hein. On va les révéler d'ailleurs ces Steplancers.
On en a fait que deux pour le coup. Derrière, on a fait un switch chameau côté Gajamada. Nouveau forum également qui va être trouvé du côté de Gajamada. On est gourmand. On a l'air d'aimer les forums côté Gajamada. Ok. Ok, ok. Allez, cavalier bourguignon qui est maintenant proposé. Un call assez intéressant. On a une banque de pierres équivalente aussi entre ces deux joueurs. Qui va pouvoir trouver ici les premiers châteaux, c'est la question. Idle TC 6000 est également entre les deux joueurs. Des joueurs qui sont très réactifs aussi, hein. Ouais, là je pense vraiment, hein. Alors c'est pas une game qui permet de l'assurer à 100%, mais je pense vraiment que là on a des joueurs du haut du panier, hein. Ça joue vite, ça joue fort. J'aime énormément ce que je vois. Oh, et ça va pêcher maintenant, hein, côté Gajamada. Hein. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok. Gajamada pour la tête de siège, donc. Avec une petite armée déjà bien en place. De quoi mettre peut-être une belle pression. Est-ce qu'on n'aurait pas envie du coup de répondre par un château en défense dans cette zone-là, pour le joueur bourguignon? C'est là toute la question. Également, il y a un petit peu de pression qui sera proposée ici. Quelques cavaliers, quelques light caves. Plus en attaque également qui sera trouvée sur la cavalerie bourguignonne. Et le château sera trouvé ici. Ça c'est super intéressant pour Gajamada, hein. Le fait que le joueur bourguignon dépense sa pierre dans ce château là, ça va peut-être du coup faire valoir son push Mangono. A voir si on a le temps cependant de trouver les coups de marteau, parce qu'à tout moment on peut l'annuler aussi le château, hein. C'est une hypothèse, une éventualité. Là typiquement on le voit, ça toque à la porte, il y a du monde au portillon. Le moine peut-être, attention, esquivé pour Grégory. Allez, nous y sommes. La porte qui tombe. Le château sera bel et bien maintenu, hein, dans cette zone. Pas de château en défense du coup. Attention, on a perdu un Mangono cependant côté Couman. Méfiance. Se fait convertir également un chameau. Ouais. Attention, le push qui foire un petit peu là finalement. C'est très bien défendu de ça pour Grégory. Bien joué. Par contre, attention, l'impérial pour le joueur Couman qui vient d'être cliqué à l'instant. On a un très, très beau timing à faire valoir ici. 116 billes pour 80 à présent. 18 d'armée pour 19 et un timing de zinzin. Alors attention, la banque, on vient de s'acheter beaucoup. On vient de vendre en tout cas beaucoup de bois là côté Grégory. Ça va donc cliquer a priori dans pas longtemps. Allez, c'est cliqué, côté Grégory. Très très grosse macro, hein, côté Gajamada, hein. Très 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 grosse macro. Des écuries maintenant qui vont être proposées, extrémité droite. Contrôle map intéressant, nouveau forum maintenant pour le joueur bourguignon. Oh voilà, le niveau est élevé là. Le niveau est élevé, ça se voit, le boom est propre. Les joueurs sont réactifs, les décisions sont bonnes. Enfin, c'est là ça joue bien, hein. Là c'est du gros niveau là. Hein. Très très gros niveau là.
Ouais, la brouette maintenant pour le joueur bourguignon, effectivement, qu'on avait oublié jusqu'à maintenant. On aurait quand même aimé l'avoir un peu plus vite cette brouette, hein, parce qu'en ressources cumulées, Gajamada il est devant de 5000 ressources. Hein. C'est énorme. Énorme. Énormissime. Allez, cavalier pour le joueur Kouman. Cavalier qui sera trouvé ici. Plus de d'attaque également sur les cavaliers. Un Grégory qui vient voir un petit peu ce qu'il se passe. Prélever un petit péon ici et là. D'armée pour 28, 131 villageois, bordel, 131 villageois pour 92. Ouais, le château qui sera proposé en défense ce coup-ci côté Grégory. Dans l'économie du joueur Kouman, un petit peu d'action mais rien de très alarmant. On va commencer à sortir quelques trèves également pour aller chercher peut-être ce château sur la gauche. On aimerait un petit peu d'armée hein, bien sûr, pour accompagner un petit peu ce trébuchet. Le château qui pour le moment ici est mis en stand-by. Et le petit fast-tool encore une fois avec l'atelier de siège. Bien joué ça aussi côté Grégory. Paladin bourguignon pendant ce temps-là qui est trouvé. Et paladin Kouman également qui est proposé. Oh là 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 là. Quel game de zinzin. On préfère bien sûr les paladins Kouman hein, avec ligne de sang. On aura même l'avantage d'avoir quelques chameaux en combo aussi côté Kouman, ce qui est quand même cool en soi. Et pendant ce temps-là, ça continue de pêcher. Hein. Attention. On aimerait bien un château dans cette zone, je pense, aussi pour Gajamada. Ça pourrait être pas mal. Allez, on se faufile. Pensez quelques chameaux. Pourquoi pas même rejoindre les trébuchets sur la gauche. Et on préférera plutôt opter pour un château dans cette zone. Côté Gajamada. La chimie également pour le joueur bourguignon. Ici on a une fight qui va être engagée. Paladin qui pop dans 10 secondes du côté du joueur bourguignon. C'est donc une bonne fight finalement pour Gajamada de prendre le plus d'armées possible avant que ça ne devienne des paladins. Voilà qui est fait. Sauf qu'attention, ça pop aussi du côté du joueur Kouman. On a plus de pierre côté Grégory. Par conséquent, on ne peut plus réparer le château. Le château va tomber. Oh, c'est excellent ça pour Gaja. Hein. Excellent. Merci Deagle pour lui, ça va apprécier. Alors qu'on le voit, des paladins vont tenter un move. Et finalement, du coup, le château plus que bienvenu. Hein, permettre de défendre un petit peu tout ça. Peut-être un fast tour, éviter que ça ne passe quelque part. Attention. Ouais, malheureusement, pas de fast tour côté Grégory. J'imagine qu'on doit être occupé un minimum, notamment peut-être ici. Bon, les paladins qui sont rentrés dans les coups, on les gère hein, pour Gajamada. C'est absolument pas un problème. On va avancer maintenant pour Gajamada. Avec le plus en attaque sur les flèches, la balistique, la chimie également. Qu'est-ce qu'on irait chercher en termes de compo? Qu'est-ce qu'on irait chercher? J'ai l'impression que pour le moment, on reste exclusivement sur du paladin. Côté bourguignon, cependant, un switch albardier est en train de se mettre en place. Oh là là, c'est effrayant. C'est effrayant ce qui est en train d'arriver ici dans cette économie. Attention, il y a du péon peut-être qui va être amené à mourir. Et le GG, hein. Oh là 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 là. Cette game de Gajamada est incroyable. Incroyable. Une exécution de macro phénoménale. Ok, moi j'attends, je vois que vous êtes déjà beaucoup à lancer des calls, mais je peux pas me contenter d'une game comme ça. C'est une map fermée et tout, enfin, non, moi je veux une map un peu plus ouverte. C'est là où on va pouvoir voir des choses. Là, c'est trop tôt là. Beaucoup trop tôt. Tu te prononces pas? Non, pas encore. J'attends encore un peu. Solide, hein. Là, il y avait des grosses macros. Hein. Pff, très solide. Hein.
Lio versus Tato. On part sur quelle map là? On part sur évacuation. Ok. Là déjà on aura peut-être un peu plus d'éléments, plus de matière là. J'ai pas encore la game. Gaja c'est un gros joueur surtout vu la réactivité. Ouais non solide, très solide Gaja. Très solide. Greg a joué calme et assez efficace, mais trop lourd en face. Bah ouais, le boom coumant. Hein. Là, on est victime du boom coumant pour Grégory. Hein. Je crois que ça devient un running gag en fait, Yubel, chez certains. Mais même moi, ça me trigger un peu. Ok, j'ai la game. Côté Grégory, les amis, pique intéressant. J'en dis pas plus. Allez, Gajamada en jaune, toujours Grégory en bleu. Les go pour Grégory. Les Géorgiens pour Gajamada. Rends les bananes. Ouais. Je m'en occupe. L'ego, hein. Intéressant. On va voir un petit peu ce qu'on propose avec l'ego. Déjà, on va cliquer métier à tisser et on va envoyer un villageois. Forward. Dans quel but? Certainement, peut-être, tuer du sanglier. Très certainement. J'imagine qu'on va essayer d'être attentif, hein, du côté de Gajamada. Géorgien qui passera à côté du scout go sans le voir pour le coup. Par contre, ce qu'il pourrait voir serait peut-être cette péone. Alors, après, elle a métier à tisser. On va revenir sur ses pas visiblement côté Gajamada. On va aller scouter un peu plus bas ce qui se passe. Pendant ce temps-là, on prend un premier sanglier du côté de Grégory. Ouais, le premier sanglier qui va être trouvé ici. Hein, qu'on va venir abattre, bien sûr. Faire en sorte que Gajamada ne puisse pas le rabattre sous ce forum. Et il sera même fini avec le scout. C'est extrêmement malin. Parce que du coup là maintenant on ne peut même pas le récupérer. Très malin du côté de Grégory. On est parti pour docker. Le problème c'est qu'attention, scout plus péon. Le péon de Gajamada se retrouve tout seul. Tentative de fast wall. Tentative de fast wall qui sera trouvé côté Gajamada. Un joueur de talent, mais attention, parce que ça break. Ça break. Est-ce qu'on peut s'en sortir pour ce péon qui n'a pas métier à tisser? Oh, j'en ai bien peur. Non, on ne pourra pas s'en sortir. Du coup, pas de doc. On perd le péon. C'est une catastrophe. On perd le péon, on perd le doc, on perd un sanglier. C'est une catastrophe pour Gajamada. Du coup, on va renvoyer un péon sur la droite, bien sûr. Est-ce que le doc est trouvé côté go? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Hein. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on viendrait faire pour cette péone? Me dis pas qu'elle va voler le passage, ça serait une dinguerie. Ça serait une... Non, je pense qu'elle va tuer la chasse. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'elle va tuer la chasse. C'est excellent ça aussi. Hein. C'est excellent ça aussi. Hein. Et un Gajamada qui observe, décontenancé, sans pouvoir faire quoi que ce soit ici. Ouais, c'est superbe. Hein. Maintenant, on va essayer d'aller chercher le sanglier, j'imagine. Évidemment, Gajamada toujours très attentif hein, à ce qui se passe.
Deux secondes les gars. Allez, attention, intervention de Gajamada. Qui essaie de déranger, on le voit cette péone. Le sanglier, toujours malmené. Et le sanglier lui aussi sera trouvé. C'est bien joué. Ça joue très bien. Putain, qu'est-ce que ça joue bien. Des strats qui ont été travaillées, hein. Ça se voit, hein, côté Grégory là. Cette petite strat avec Go, elle est quand même bien pixel là, hein, pour le moment. Allez, on va retourner scouter un petit peu pour Gajar. On a trouvé le féodal, hein, côté Grégory. Ça va cliquer dans quelques secondes côté Gajar. Les match-ups, on sait comment ils ont été faits. Bah, aléatoirement. C'est du hasard. Alors qu'on va commencer à envoyer quelques péons en haut de la map maintenant pour Grégory. Aller chercher un petit compte bûcheron, évidemment. Et on fait exactement la même chose côté Gajamada. Avec une petite mule là qui sera proposée. On peut encore récupérer, hein, ce qui reste de la chasse, hein. Totalement possible. On a bien sûr docké pour les deux joueurs. Oh là. Et côté Go maintenant on fait des miliciens. Caserne très forward qui aura été trouvée ici de la part de Grégory. Ok. J'aime beaucoup ce qui se passe, hein. Malatarm qui est cliqué côté Go. Sur un Gajamada qui est encore bloqué au féodal. Au sombre, pardon. Féodal va être trouvé dans quelques secondes. On prend la colline. Un Grégory énervé, hein. Allez, Malatarm qui pop. Est-ce qu'on a une archerie peut-être quelque part? Pour le moment, j'ai pas l'impression, non. Pas d'archerie proposée pour le joueur Go après ce Malatarm, ça. On rappelle qu'avec les Go, en plus de ça, on a une chasse qui dure plus longtemps. Donc ce spot de chasse, clairement, il fait plaisir. Hein. C'est très 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 plaisir. Il va quand même falloir envisager de l'armée à terme pour Gajamada. Déjà, on voit qu'il est en train de pré-shot une tour. Il est en train de pré-shot une tour sur sa woodline, peur peut-être de la perdre. Ouais, le bon Grégory me fait penser à quelqu'un. Hein. Je vous le dis très honnêtement. Le bon Grégory, il me fait penser à quelqu'un. Allez, la caserne qui va être trouvée maintenant côté Gajamada. Gajamada qui commence à prendre beaucoup de pierres aussi, on le voit. Hein. Tour défensif peut-être à terme qui serait proposé. Grégory, je vous le dis, il me fait penser à Doubt. Doubt, il aime beaucoup ses play Malatarms. Il les aime énormément. Il le fait avec Arménien, il le fait avec Go très souvent. Et là, j'ai l'impression de voir un Doubt. J'ai l'impression de voir un Doubt qui a été battu la game d'avant par un joueur qui était visiblement bien plus préparé sur Bypass. Attention au niveau de cet or. Attention au niveau de cet or, ça commence à dégénérer un petit peu. On va perdre un petit péon côté Gajamada. La value en train d'être trouvée. C'est le deuxième péon qu'on trouve ici pour le bon Grégory. Oh, dommage pour le troisième qui ne sera pas trouvé malheureusement. Sur l'eau, que se passe-t-il? Sur l'eau, il se passe que Gajamada est en train de mettre une belle pression. La pêche n'est pas trouvée, mais elle est en train de se cacher dans ce coin de map.
Donc du bois maintenant pour Grégory. Get you ours. Et on revient peut-être prélever quelques pions sur cette... Oh là là, oui, ça tombe vite, hein. Ça tombe très vite. On sent quand même, il y a une tour, hein, qui défend. 3 kills économiques à 1 pour le moment. Ouais, un Gajamada qui sanctionne. Ça, c'est plutôt bien amené. Plutôt très bien amené, même. On va essayer d'intervenir avec d'autres villageois. Tu penses à qui pour Gajamada? Là, comme ça, si je devais vraiment donner un avis, et pour le coup, j'en ai pas vraiment, mais je pourrais dire peut-être Mysterio. Mysterio qui, la game d'avant, fait un trush into boom de TC Kuman. Là, on refait des tours défensives. Ah, j'aurais, ouais, un instinct, je dirais Yo, mais sans en être certain, bien sûr, c'est encore trop tôt. Allez, on a réussi à récupérer un petit peu d'espace sur l'eau là pour Grégory. On va pouvoir commencer à afficher un petit peu. Où il est son Mana Tarms? Il est là. Hein. Il est là, il est là. On n'arrive pas visiblement à trouver de la value en plus là pour ce Mana Tarms au go. On a du mal en tout cas. Et c'est cliqué côté Gajamada cependant. On a un uptime assez intéressant là à faire valoir peut-être pour le joueur géorgien. Un petit peu devant en ressources cumulées. Grosse bataille de fire, peut-être trouver des démolitions, c'est en production. Et le marché également hein, peut-être pour Grégory afin de cliquer l'âge des châteaux. On a un petit peu d'extra gold qui permettrait... effectivement d'aller acheter peut-être un petit peu de nourriture, ça pourrait être intéressant. Allez, 1 minute 20 maintenant à patienter pour Gajamada. Qu'est-ce que on va proposer derrière pour le joueur géorgien? Je vois que ça continue de prendre énormément de pierres. Est-ce qu'un drop castle serait envisageable côté géorgien là avec un play Monaspa peut-être? Une fois massé, on le sait, permet de faire des très belles choses. Attention également à la pêche de Gajamada qui se retrouve un petit peu menacé ici. Chercher maintenant cette nouvelle pierre côté Gajamada. Et nous y sommes. HD château trouvé. Ouais, et le château qui va être fait en défense. Attention, on se bloque soi-même avec la mule. Attention à ça. Effectivement, donc un château qui va être trouvé. Intéressant. On laisse cette zone un petit peu vulnérable par conséquent. Le play Monaspire, il est à surveiller. Hein. Très clairement. Petit bras le château. Bah pff, on la joue safe, il a pas d'armée. Comment tu veux qu'il fasse un château forward dans la mesure où il a absolument aucune armée pour protéger ses péons? Non, non, c'est obligé là de faire en défense. Et on va tout de suite envoyer Monaspa en attaque, hein, avec Monastère directement en ouverture côté Grégory. Forum également dans cette zone. Et un autre qui sera proposé là-haut. Ouais, un joueur qui aime les forums. Grégory et qui a Doubt. On va cliquer également Pitié pour le joueur Go. On a fait un petit monastère fortifié également dans cette zone.
Attention par contre à ne pas trop s'empaler, ouais, du côté de Gajamada. On a maintenant 6 menaces pas, les amis, du côté du joueur géorgien. On va voir maintenant un petit peu comment on veut conclure, peut-être, pour Gajamada. Est-ce qu'on pourrait faire valoir un timing? Il y a un forum qui est en train d'être proposé, il faut avoir du flair maintenant. Il faut avoir du flair, on estime que le forum va être fait ici, mais non, il est à droite, le forum, mon cher Gajamada. Ah, c'est dommage, on passe à côté d'un joli call ici. Hein. On aurait pu aller là-bas et se faire très, très, très plaisir. Gajamada pour un forum ici présent. On a amélioré les bateaux hein, du côté de notre ami Grégory. Et on a trouvé, on a su trouver toute la pêche de Gajamada. Hein. Ce qui est quand même assez intéressant. 53 000 maintenant pour 45. Attention! Ouais, c'est assez calme là pour le moment. On est maintenant sur 4 forums. Hein. Ouais, c'est Grégory, c'est Doubt, c'est sûr. C'est 100% Doubt. 100% Doubt. Plus un de défense qui sera trouvé sur l'infanterie go. On va commencer maintenant à prendre un petit peu de pierre du côté de Grégory. Pareil, un nouveau forum également pour Gajamada. 3 TC maintenant. Continue de tourner avec ses quelques menaces pas sans vraiment pouvoir trouver de dégâts. Jeune, je pense que tu surestimes le fast wall de Doubt. Moi, je pense que tu sous-estimes le fast wall de Doubt. Ouais, l'argument du Doubt, il est lent, Doubt, il sait pas cliquer, il tient plus. Hein. Ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il nous montre des belles choses, Doubt. Hein. Autant en termes de strat agressive que en termes de fast wall. Hein. On va ressortir également un petit peu de bateau de pêche côté Gajamada. Il a l'air d'avoir repris l'ascendant total sur l'eau, effectivement. On va donc profiter de cette eau et il a bien raison. Beaucoup de piqué maintenant hein, du côté du Vorgo. Hein. Est-ce qu'on peut continuer de commit sur Monaspa pour le joueur géorgien? Ou est-ce qu'à terme on va devoir peut-être trouver un combo, peut-être un atelier de siège, Scorpion, Mangono, pour essayer quand même de limiter les dégâts si une fight venait à être engagée? C'est là toute la question. Nouveau forum également pour Gajamada. Allez, dernier bateau de pêche go qui vient de mourir ici. On a une brouette qui va maintenant être trouvée. 80 000 villageois pour les deux joueurs. C'est bien aussi hein, de contrôler les nénuphars avec des bateaux. Hein. C'est très très bien ça aussi. Hein. Typiquement, on peut plus vraiment évacuer de villageois supplémentaires, même l'armée. C'est pas mal dans l'idée. Alors qu'on vient maintenant faire un château milieu de map du côté du joueur go. La brouette, côté Gajamada.
tensions up économiques également qui sont pas incroyables chez le joueur Go. Deuxième up du bois là, l'up des fermes aussi qui manque un petit peu. Non, pas vraiment Marc. Pour raid l'économie à la limite un petit peu, mais ça serait éclaté par mon Aspa. Là on fera focus, surtout un focus je pense sur les albardiers à terme. Sur l'impérial en tout cas si on y va. Allez, on va aller débarrasser ce milieu de map là de quelques maisons pour le joueur Gorgara, le joueur géorgien pardon. Au niveau des reliques, on en a deux, et du côté du joueur Go, on en a trois. On va commencer à rajouter des casernes. L'impérial qui est trouvé, un démolition également qui a explosé sur ces quelques piquiers. Ouais, timing impérial du coup pour Grégory. Hein. Observons ce que ça peut donner. Hein. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. On a des casernes qui sont proposées ici aussi. C'est plutôt pas mal. Le château qui va être proposé ici du côté du joueur géorgien, la ligne de sang qui est proposée également, les moines pour des conversions de piquets, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, bien que pas suffisant pour finir la game bien sûr. On vise aussi peut-être un nouveau château à terme hein, du côté du joueur Go, pas mal de pierres en banque, peut-être qu'on va devoir un petit peu contester ce qui se passe ici hein. Qu'est-ce qui s'est passé le jour, j'ai pas vu. Voilà des fermes également pour Grégory. Allez, 10 secondes avant de trouver cet impérial là. Pour Grégory, 10 petites secondes. Alors qu'on a une armée de menaces pack et grandissante hein, côté géorgien. Méfiance quand même, hein. Plus de défense qui sera cliquée. Comme convenu, hein, le joueur Go qui va miser ici sur Albardier. Tandis que le joueur géorgien continuera de faire des monaspa. Est-ce que l'idée serait de trouver la masse critique? On a vu, hein, je sais plus, je crois que c'était Lana qu'on avait vu. Hein, un joueur jouer monaspa, je crois que c'était Viper contre Doubt d'ailleurs. Monaspa s'était fait ouvrir hein, par Albardier. Un nouveau château qui sera fait dans l'économie pour le joueur géorgien. Deux très très belles macros en tout cas pour les deux joueurs encore une fois hein. 123 villes pour 117. C'est très très bien amené. On va tenter un move là hein. On va tenter un move là hein. Ouais. Et attention parce que si les albardiers ont l'idée d'aller chase ces monaspa, il y a peut-être les démolitions qui derrière les accueilleraient hein, comme il se doit. Attention, attention. Allez, c'est un tout droit sous ce forum pour les monaspa. Conscription, plus de 5 d'attaque sur les flèches également. Pendant ce temps-là, il se passe quoi ici? Quelques albardiers, un trébuchet qui va commencer à pêcher. Ouais, joli move. Joli move là de la part de Gajamada. Hein. Très sympa comme move. Alors qu'on va commencer à envoyer quelques albardiers dans l'économie maintenant pour Grégory. Et c'était pris. Alors attendez, j'ai raté ça, désolé. On va aller checker ça. Mais effectivement, il se l'est pris. Ouais, super. Super, super. Pendant ce temps-là, on continue de prendre du péon. On fait chuter le bon Grégory à 115 villageois à présent. Ça commence à être problématique ce qui se passe dans cette économie de Go. On vient trouver maintenant un château du côté de Grégory en défense.
Allez, on refait hein, quelques démolitions, hein. C'est très malin de la part de Gajamada. Très malin. Gajamada, il a des allures de Tato aussi, hein, avec ses démolitions. Hein. Tato, il les aime, hein, ces démos. Hein. Il en est même friand. Ouais, les châteaux, c'est parfait. Ça vient protéger l'économie du raid albardier. C'est absolument excellent. Bon, l'économie principale, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisée. On souffle, on respire. Mais par contre, on avance. Attention quand même, Gajamada, à ne pas peut-être trop délai. Alors, après, j'ai envie de dire, il y a quoi? Il y a 10 péons, 15 péons? Il n'y a plus de ressources? On pourrait peut-être totalement give up et abandonner cette map, hein, cette partie de la map du moins. Pas forcément ultra importante. 113 villes maintenant pour Grégory. Quelle va être la solution maintenant pour Gajamada? Ça va passer visiblement par quelques archeries. Côté géorgien, l'apparition de quelques canonniers à main. Oh, le combo sur le papier est brutal, hein. Canonniers à main, menace pas, bordel de cul. Très brutal, hein. Nouveau château qui sera trouvé. Pour Gajamada, on continue d'en proposer. On a maintenant 4 châteaux sur la partie gauche. Balistique, son attaque sur les flèches également pour Grégory. Full albardier, hein, Grégory. On se pose aucune question. C'est caserne et la touche piquée. Envoyer encore une fois quelques menaces pas dans cette économie. Attention, ça pushera également hein, par Grégory. Avec deux trébuchets sur la gauche maintenant. Tout en continuant de pusher ici. Ça reste assez serré hein, pour le coup. 42 d'armée pour 50. 141 000 pour 125. Ouais, on prendra quelques piquets. On perdra quelques menaces pas. En termes de coût efficient, c'est beaucoup plus intéressant pour Grégory, hein, ce genre de fight, évidemment. Bien plus intéressant. Bien perdre du coup un château ici, hein, sans pouvoir vraiment contester ça du côté de Gajamada. Attention quand même, Gajamada. Hein. On arrive à trouver une solution, en tout cas, visiblement, à ce qui se passe ici. Est-ce qu'on doit pas juste abandonner le play Monaspa, là, et se concentrer exclusivement sur canonnier à main? Allez, 4 trêves hein, pour le Jorgo. Avec 4 autres trêves ici qui sont d'ailleurs en train de faire tout le tour. Et tireur d'élite, hein. La suite logique a priori pour le Jorgo. Il a compris qu'il y avait des canonniers à main de plus en plus nombreux. En tout cas, on va maintenant essayer d'y apporter un contre. Et évidemment, sur le papier, le combo du joueur géorgien est plus fort. Hein. Menace pas canonniers à main, ça extermine tirailleur albardier. Hein. Allez, tout sur l'attaque sur les flèches maintenant pour Grégory. On va commencer à apporter un petit peu de répondant là de la part du bon Gajamada. Mais il repère également beaucoup de châteaux. 1, 2, 3, 4, 5 châteaux pour le joueur géorgien. Bien en place hein, quand même dans cette game. Deux très belles armées, 60 pour 60. Et une armée de trébuchets absolument incroyable. 8 trèbes côté Grégory. Alors qu'attention, on y revient dans cette économie pour quelques menaces pas en combo avec quelques canonniers à main. On aurait peut-être aimé les avoir en support d'ailleurs ces canonniers à main ici. Attention, ouais, c'est pas mal empalé. Pierre
fusion qui est maintenant trouvée côté Grégory. Ah, attention quand on bombarde également hein, du côté du Orgo. La rédemption maintenant avec un Playmoan. Pour aller peut-être tenter des conversions de Carlon Bombarde. Ça doit être intéressant effectivement. D'armée maintenant pour Grégory. Attention à ne pas s'empaler du côté de Gajamada. Continue de foutre un sacré bordel hein, dans cette économie pour Gajamada, c'est pas mal. Ça force un nouveau château également de la part du Jorgo. Beaucoup d'albardiers quand même présents ici. Attention quand même. Hein. Alors qu'ici, attention, ça va s'engager également de plein fouet. Est-ce qu'on est en élite? Non, ah si, 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 autant pour moi, on est en élite. Hein. On est en élite et là, ici, on voit les albardiers se faire décimer par cette armée de Monaspa. Ouais, ah ouais, c'est pas mal. On a bien fait chuter ici l'armée du Jorgo. Peut-être que maintenant on va pouvoir commencer à avancer. Attention les 8 trèbles là qui sont en train d'aller chercher le château sur la gauche. Pas dramatique pour Gajamada, mais attention tout de même. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup d'or du côté de Gajamada? Il y a celui-ci qui se récolte. Ok. Celui-ci également. Ok. Pas tant en vrai, hein. Pas tant. Il y a les deux reliques en parallèle qui tournent, mais c'est tout, hein. On part un push à présent, on a récupéré pas mal d'espace. Peut-être commencer à aller chercher ce château go. Dans l'économie, ça clignote toujours également. 118 villes maintenant pour Grégory. Merci Axe pour le resub, merci beaucoup. Apprécié. Quasiment que des tirailleurs là maintenant. Il y a peut-être un coup à jouer là du coup pour le joueur géorgien. Architecture sera proposée également. On va commencer à prendre le contrôle map avec quelques monastères fortifiés. Le cadet est lourdement à l'avantage de Gajamada. Hein. Et là on va commencer maintenant peut-être à toucher les trébuchets dans peu de temps. Attention, on switchera les canonniers à main par des tireurs d'élite, j'imagine, pour commencer à faire des économies en or évidemment. Il y a un très bon répondant hein, de la part de Grégory cependant. Sur les 8 trèbles, il y en a toujours 8. Sur les 8 trèbles, il y en a toujours 8. Ouais. Ouais, il est dur à aller chercher Grégory ici. Hein. Il est très dur à aller chercher. On va commencer à y revenir, peut-être, pour ces trèbes. Est-ce qu'on estime que c'est le moment pour Grégory? Plus de défense en tout cas qui sera trouvée, les amis, pour le joueur go. Sur les tirailleurs. Les hussards maintenant qui vont commencer à se mettre en place. Pareil, on essaie de... Oh là, c'est bien joué ça. Oh là là, dis donc. Ça prend du péon dans cette zone. Ouais, 114 villes encore pour Grégory. Avec des démolitions qui continuent de patienter gentiment. Deux joueurs qui commencent à ne plus avoir beaucoup d'or, surtout du côté de Grégory. Mais attention, il y a un or ici, hein, qu'on a certainement vu d'ailleurs. Non, on l'a pas vu. Oh, quel enfer. Quel enfer de ne pas avoir vu cet or côté Grégory. Expert de siège également qui sera proposé. Attention, 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 attention. De démolition, les jumelles, sortez-les. Sortez-les. Parce qu'il peut y avoir peut-être une dinguerie sur ces démolitions, attention. Oh la folie, on va passer à côté, vraiment. Vraiment. Oh, quel enfer. Mais quel enfer. Bon sang. Ah, ça aurait été tellement clutchy en plus de le faire, ce démolition. Parce que là, les albardiers vont être bons, là, hein, dans la fight. Ah là, typiquement, hein, les albardiers qui dégainent.
commence à être un petit peu relou cette histoire. Quel véritable dommage. L'or enfin révélé. Les ors enfin révélés. Tain, il y en avait même un deuxième ici, hein. Ok. Il nous reste de quoi voir venir du coup pour le joueur gros là. Combien? 6300 d'or, hein. Son trèble là qui se donne peut-être aussi un petit peu du côté du joueur géorgien. Ouais, là c'est le moment du push, hein. On le voit, Grégory qui s'énerve. Une tonne. 8 trébuchés. Ils sont en train de proposer quelque chose de très intéressant. Les hussards maintenant dans l'économie pour Gajamada. Aller tuer quelques péons. Ce serait effectivement intéressant aussi. On a un pauvre sanglier qui vient de mourir. Hein. C'était pas ton combat, mon pote. Hein. Terrible. Ouais, ça avance fort, hein. Le rouleau compresseur Go, les amis, qui se met en place là. Ça commence à avancer très 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 fort. On n'a plus d'or pour Gajamada, malheureusement. On se retrouve sans or. Sans or, c'est impossible, je pense, de s'en sortir. Ça me paraît totalement impossible. Totalement impossible. On a fait un galion à canon également du côté de Gajamada. Intéressant, mais ça ne permettra pas a priori de résoudre ce problème. Ah oh là là, mais quel push! Quel push, hein, pour Grégory! Qui est repassé d'ailleurs devant le score accessoirement. On va continuer, hein, d'essayer de flinguer du péon. Maintenant, il y a des albardiers dans l'économie, donc on va pouvoir gérer ça sans trop de problèmes. Oh là 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 là, mais quelle violence! Quelle violence! 86 d'armée pour 57. Gajamada qui n'arrive pas à trouver de solution. Le château sur la gauche va tomber aussi. Et on se retrouvera donc avec seulement deux châteaux restants du côté de Gajamada. Les Uskars également qui vont commencer à faire leur entrée en jeu. De quoi venir défoncer littéralement ces tirailleurs géorgiens. On chute à 100 villes, hein, cependant, côté Grégory. Méfiance. Galion canon qui vont aller chercher ce château. C'est pas tant un problème, en vrai. Ce château, il sert à rien. Pas tant un problème du tout, même. De pop maintenant pour Gajamada. On a du mal à trouver une solution ici, visiblement. Et je pense qu'il n'y a plus de solution, pour être honnête. Oh, quelle brutalité. On vient même récupérer une nouvelle pierre là pour le joueur Go, c'est magnifique. Absolument magnifique. Ouais, c'est fini. Sacré game, hein. Putain, sacré game, hein, de la part du bon Grégory, hein. Oh, c'est du doubt, ça, hein. Tout craché, hein. On continue de forcer un petit peu côté Gajamada. On continue d'y croire. Mais la compo ne marche pas là pour Gajamada. Hussard tirailleur, ça gagne pas malheureusement ici. Pas sur un go qui spam à l'infini. Alors on va prélever un trade sur un timing. Peut-être même un deuxième. Ouais, effectivement, on aura plus de trade. Ah,
Un troisième. Et ça continue de clocher pour autant. Avec l'avant-dernier château là qui commence à être lourdement inquiété. Et surtout toujours de l'or. Hein. Combien d'or il reste ici pour le joueur Go? 4700. On est tellement bien côté Grégory. Là on relâche un petit peu de terrain, mais c'est pour mieux avancer plus tard. Juste le temps de ramasser encore une fois un petit peu. Huskarl d'élite à présent qui va être proposé. Pas mal ce petit vol là, pas mal du tout hein. En vrai de vrai, hein. Ça va tomber vite sur des hussards, mais ça permet de gagner déjà un petit peu de temps et de rééquilibrer peut-être quelques albardiers dans cette zone. On va essayer de revoler un petit peu avec quelques maisons. C'est bien joué ça, c'est bien joué ça. Une petite palissade peut-être ici aussi, attention. Ici c'est ouvert, hein. Mais visiblement on va se barrer. On va se barrer pour les hussards. Re-avance maintenant pour Grégory. Voilà des fermes, les derniers FECO qui sont trouvés maintenant. On retente un move dans l'économie côté Gajamada. On est remonté à 140 villes hein, côté Grégory. C'est beau, très 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 beau. Allez, on perd quelques péons, hein. On perd une dizaine là-dessus. Pas dramatique du tout. Attention à pas flancher Grégory. Hein. Là on perd 20 villes quand même. 10 c'était ok, 20 ça commence à faire. Hein. Attention. Allez, on y revient. Est-ce qu'on pourrait pas aussi peut-être aller viser un château là pour Grégory? Un château dans cette zone. Dans la mesure où Gajamada il peut pas pêcher, il a pas d'or. Pour être intéressant je pense. Hein. À terme en tout cas. 111 villes pour Grégory, c'est 30 villageois donc qui ont été prélevés ici. Hein. Ouais, quelques hussards également, incroyable. On a du répondant visiblement côté Gajamada. On a du répondant côté Gajamada. Meurtrière qui est maintenant proposée du côté de Grégory. Ouais, ça paraît logique étant donné qu'on a des hussards au pied du château bien sûr. On va relancer également des canonniers à main hein, côté Gajamada. Avec le peu d'or dont on dispose bien sûr. On va relancer quelques canonniers à main. Beaucoup de fermes hein, qui travaillent. 83 fermes côté Gajamada. Ouais je parlais d'un château hier hein. Il y a le château, il est bon, hein. Ce château il est très bon. Hein. Ça va permettre de te proposer un joli point d'appui là et de peut-être maintenant avancer une dernière fois, une bonne fois pour toutes. Quelques hussards qui continuent d'essayer de se frayer un chemin dans cette économie go. On pourrait peut-être même waller ici hein, finalement, hein. Petit mur de palissade, de maison, éviter de se faire harasse constamment, ça pourrait être une option. Hein. On va pêcher maintenant avec 3 canons de bombarde côté Grégory. Allez, les hussards qui sont gérés, on aura pris un canon de bombarde. Ce qui sera en soi déjà pas mal. Je crois qu'on en prend même 2 là-dessus. Hein. C'est pas mal. Pour Gajamada, c'est pas mal. On revient sniper quelques péons maintenant au niveau de ses fermes. On chute à 90 villes. Côté Grégory, attention. 175 de pop pour 190. La tendance peut-être qui serait en train de s'inverser. On perd énormément. Trop peut-être même d'économie du côté de Grégory. Le réduisseur géorgien qui commence peut-être à faire la différence ici. Oh, pétard de pétard. Et on va abuser des bonnes choses. On a compris que ça faisait des belles choses, hein, le fait de flinguer les péons. Hein.
trébuchets également qui ont été trouvés côté géorgien. Et bah dis donc. Et bah dis donc. Faut voler hein. Là, un wall, hein. Un simple wall de palissade. On n'a pas mur de pierre avec Go, mais juste déjà un mur de palissade. Ça permettrait d'arrêter de limiter un peu les pots cassés là. Hein. Alors que le château Go, on le voit ici, va tomber d'une seconde à l'autre. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. On a maintenant 16 canonniers à main et bientôt 18 côté Gajamada. Toujours avec une vingtaine de tirailleurs et une quinzaine d'hussards. Hein. Allez, c'est le moment d'intervenir. La pensée canonnier à main, justement, on le voit. Ils interviennent sur ces quelques uscarles. Allez, la grosse fight là qui va être engagée, on le voit. Attention, c'est une fight normalement pour Gajamada, je pense. Les uscarles qui tankent. Qui finiront un petit peu les uscarles pendant que les canonniers à main sont en train de se régaler. Ouais, c'est une très 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 bonne fight. Avec, on le voit, un petit peu de micro proposé par Gajamada, histoire de ne pas perdre des canonniers justement sur les tirailleurs. Un timing également peut-être sur un trébuchet. On a bientôt 100 fermes. Hein. Côté Gajamada, c'est une folie. Hein. On est toujours devant pour le joueur Go de KD, toujours à l'avantage de Gajamada, le trébuchet qui vient de tomber. C'est canonniers à main, c'est de l'or. Hein. Il faut absolument y faire attention. Ouais, on clean bien. Hein. On clean bien. Hein. Les armées maintenant se valent, en tout cas sur le nombre. 70 de chaque côté. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi envie peut-être de refaire quelques canonniers à main côté Gajamada? On en a plus que 13 là maintenant. Est-ce que ça serait pas une option peut-être? Avec quel or, me direz-vous? Avec quel or? Le problème, il est là. Le véritable problème, il est là. C'est qu'on n'a pas d'or. Attention aux tirailleurs également qui, on le voit, vont prendre un malin plaisir à essayer de sniper les canonniers à main du joueur géorgien. Ah, les beaux clean là, cette fois-ci pour Grégory. Très 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 beau clean. Ça fait un petit moment aussi qu'on n'est pas parti revoir ce qui se passait dans cette économie là pour Gajamada. A tel point que Grégory maintenant est revenu à 130 villageois. Ce qui en soi est plutôt intéressant. Allez, on y retourne. On va essayer d'abuser des bonnes choses. On y retourne dans cette économie de péon. Avec un fast-hold qui malheureusement passera de justesse, mais passera. Perdra le minimum ici, c'est bien joué. On revient également raid quelques pions présents ici pour Gajamada, c'est bien joué aussi ça. Gaja, il y a encore quelques forêts pour le coup hein. Il a cette forêt là qui tourne. Éventuellement celle-ci. On a la mobilité, hein. on peut forcer ici le joueur Go à défendre, hein. Du moins un petit peu. Malheureusement, on se retrouve confronté à des walls.
c'est la deuxième game d'un BO7, les amis, hein, pour rappel. C'est quand même assez dingo. On va commencer maintenant à rajouter des ateliers de siège du côté du joueur géorgien. Manquer le but. On n'a pas d'or. Faire des ateliers de siège, c'est bien, mais on n'a pas d'or. Allez, attention, hein. Les affaires reprennent là avec maintenant des kills économiques. 233 péons, les amis, ont été trouvés par Gajamada. Ce qui en soi est assez violent. Alors que là, maintenant, c'est les trébuchés qui commencent à être trouvés du côté du Jorgo. Et ça aussi, c'est violent. Ah, la masse d'hussards, mon dieu, hein. Quelle masse. 40 hussards côté Gajamada et 40 en queue de production. Et ces hussards commencent à faire des belles choses. La production de piqué, va falloir qu'elle revienne également, hein. Ouais, ça y est, ils arrivent ces albardés. Un timing peut-être sur les trèbes. On en prendra un. On n'y arrivera pas pour Gajamada. Je pense qu'on n'y arrivera pas, les amis. Ça fait un petit moment là qu'on n'y arrive pas d'ailleurs. C'est à mon sens terminé. Je pense que c'est terminé, ouais. On va reprendre un push avec deux trèbes. Attention, les albardiers qui vont bien se coller au trébuchet. C'est bien joué. Toujours une queue de production de zinzin pour les deux joueurs. Quelques archers de cavalerie, certainement un misclic. Pendant ce temps, attention, quelques hussards, mais encore une fois, quelques albardiers. Et il nous reste encore de l'or, hein, étonnamment, pour le joueur go. Combien ici? 800. 800 d'or. Hein. Ouais, on va trouver un château là. Un appui qui sera perdu pour Gajamada. Il reste maintenant, c'est officiel, plus qu'un seul château. Et merci à toi, gynécologue. Pour Rissa, merci beaucoup. Ouais, bélier renforcé qui est kické. On a un bélier qui est trouvé. Bon, ça ne changera absolument pas la donne, hein, a priori. Et on va retenter un move visiblement avec quelques hussards. Le bélier d'or est proposé dans cette zone. Mais en vrai de vrai, bah, y a plus de péons ici, hein. Y a absolument plus rien à trouver dans cette zone-là, hein. Oh, d'ailleurs, attention, quelques Huskarls qui sont en train d'arriver maintenant par le bas de map. Ça peut peut-être finir la game une bonne fois pour toutes. Commencer à flinguer les péons de Gajamada, ces 100 fermiers là qui travaillaient sereinement depuis maintenant de longues minutes. Ça peut être effectivement intéressant d'aller les chercher. Terminé, la pop elle chute côté Gajamada là, ça y est, on en voit le bout. La population de Gajamada est en train de chuter, les amis. On n'arrive plus à négocier avec les 200 pop là, j'ai l'impression. Du moins, on a du mal. Attention, quelques péons maintenant qui vont être prélevés ici. Oh, on a perdu les reliques également du côté de Grégory. J'espère que ce dernier s'en est rendu compte. Il s'agirait de refaire un monastère et un moine. Ouais, le moine est en prod, mais bloqué 200 de pop, du coup il sort pas. Allez, attention, là les deux trèbes, encore une fois avec les hussards, on va certainement pouvoir en prélever au moins un. Ah, c'est dur, hein. C'est dur d'en voir le bout, hein. Ouais, ah ouais, c'est dur, hein, d'en voir le bout, hein.
s'agirait de s'appliquer peut-être un peu plus aussi pour Grégory. Toujours capé de son pop, hein, côté Grégory. Toujours capé de son pop. Hein. Les reliques qui sont en train d'être prises, ça y est. On revient tuer quelques péons. On commence à s'exposer aussi beaucoup là, hein, au niveau des forêts en tout cas, pour Grégory. On commence à exposer beaucoup les péons. À tel point qu'on vient récolter maintenant du bois ici, juste devant la fight. Et le bois, ça dit quoi côté Gajamada? Ouais, ça devient tricky, hein. Ça devient tricky, hein. Gajamada, les amis, à terme, il aurait peut-être plus de bois, hein. Là, ce qui serait très fort, à mon sens, pour Grégory, serait de faire une tour sur la woodline. Une tour sur la woodline ici, ça serait très fort, hein, très clairement. Et merci à toi de part pour V-Sub. Merci. Le villageois AFK également, hein, côté Grégory. Quelques-uns du moins. Ça revient à sniper quelques péons dans l'économie, encore et toujours. Ça a impacté maintenant l'économie de ferme. On va ressortir également quelques trêpes pour Grégory. Et on va cliquer Fast Fire. Mais quoi? Et on dock? Mais... ouais, un truc qui m'échappe là. Il pense peut-être que Gajamada il a une économie de zinzin sur l'eau, mais pas du tout, hein. Fast Fire avec des dogs donc. Ok. Ok, ok. Alors on va falloir m'expliquer vraiment. J'ai du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. De game les amis, hein. C'est une très grosse game, très grande, très longue game pour le coup. Rares sont les games, hein, qui arrivent jusqu'à ce timing là. Toujours une très très grosse armée côté Grégory. Le problème étant qu'on n'arrive plus à trouver une masse critique du Sarge, j'ai l'impression là pour Gajamada. 182 de pop. Alors on aimerait beaucoup plus que 15 hussards sur le champ de bataille, évidemment. Ouais, les fire qui sortent, hein, du coup. Hein. Et on va commencer à faire des dromons. Dromons. Dromons, ça peut être pas mal. Pour aller chercher notamment les écuries. Ça peut être assez intéressant, ouais. On aura accès également à quelques fermiers avec des dromons. Le play dromon est cool. Le play fire l'est pas, mais le play dromon est très très cool. Ah.
pourquoi leur dodo monte aussi vite? Bah parce qu'il a 4 leaks mon pote hein. Tout simplement hein. 4 leaks qui le carry énormément ici. Alors on parlait d'une masse du SAR. On commence à en retrouver une petite là. De masse du SAR. Et là typiquement c'est open bar sur les péons. Totalement open bar. Les fameux gros mons hein, qui comme convenu sont en train d'arriver. Attention comment on va utiliser ces dromons hein. Faut surtout pas les mettre sur les nénuphars. Surtout pas. Faut les mettre en eau profonde ces dromons. Et ça y est, il s'en est rendu compte justement. Le joueur Go ici. Et maintenant on va essayer d'aller pêcher les écuries et les hussards qui vont regarder hein, bien évidemment. Architecture qui est maintenant proposée. Game de zinzin putain, quel game de zinzin. Attention les moines, conversion de dromon peut-être pour les moines, c'est incroyable. Conversion du fire qui derrière viendrait chercher les dromons. Ça aussi ça sera, oh là là, ça aussi ça serait incroyable. Oh non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, leur vie est en jeu ou quoi là. Le gars c'est quoi, le gars qui perd la game il meurt. C'est un truc de fou. Allez, 84 fermes maintenant pour Gajamada. Plus de bois, hein. C'est quoi le... Il le prend où son bois, là, Gajamada? Il le prend là, hein. Ouais, putain, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Et lui aussi, il a fait une tour, d'ailleurs, on le voit. On récupère toute une forêt, hein, mine de rien, pour Gajamada. Si Gajamada, il gagne cette game, c'est une folie, hein. Du mal, hein, à l'imaginer, mais... Ah ça paraît dur quand même hein. Ça paraît très dur hein. Ah il y a d'autres hussards qui sont en train d'arriver. On a maintenant 70 albardiers sur le champ de bataille. C'est une dinguerie. Les gros mons hein, qui se sont fait gérer finalement hein, avec la conversion du fire. Hein. Ça aussi c'est une dinguerie. Hein. On est d'autres gars. À 72 fermes. On n'a pas beaucoup de bois en banque. Quand il va falloir refaire les fermes, ça va être un problème. En fait, je pense que la game elle va vraiment se finir là. C'est que les fermes là, on peut pas les renouveler. On le voit, il y a beaucoup de fermes qui sont pas renouvelées. Et donc, par conséquent, ça sera la fin des haricots. Ouais. Incroyable hein, quand même, hein, cette game. Hein. On va reprendre quelques péons ici là pour Gajamada. La tour tombe. Reste la fin les amis. 173 de pop pour 202. Je crois hein. Plus le temps passe et moins on a de fermiers.
Je crois qu'on se dirige vers la fin ici, hein. J'en peux plus, Eugène. Voilà, même Shenzhen. Cette game, elle commence à me sortir par le cul, là. Vraiment, au début, elle était grave cool, mais là ça devient chiant, là. Ça devient beaucoup trop chiant. Après, c'est Grégory aussi, là. Il rend fou à pas finir la game, là. Il rend fou. Il a encore 57 d'armée, hein, le bon Gajamada, hein, c'est incroyable, hein, il est increvable. Hein. Il est increvable. Increvable. Et on va y revenir sur la woodline. En faisant chuter le bon Grégory à 105 villageois. Ah, ça devient compliqué, hein, au niveau des forêts. Hein. Ça devient très compliqué, hein. Il n'y a plus de forêt là, les amis. Hein. Il en restera un tout petit bout ici, d'ailleurs il est tout seul le pauvre. Même pas un petit coin de bûcheron là pour l'accompagner. Attends, ça veut dire qu'il en ramène ici le bois. Le pauvre. Le pauvre. Mais ouais, il n'y a plus de forêt les amis. Hein. Après ça va quoi? Ça va commencer à récupérer le bois ici. Quel enfer. Quel enfer. Allez, 100 d'armée pour 44. Élevage, ligne de sang maintenant. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Élevage et ligne de sang, côté go. Ok. Pourquoi pas? Allez, light cap qui est maintenant trouvé. On atteint les 2 heures de game, les amis. Hein. Défense pour Grégory, light cave, ok. Elles sont où ces écuries? Elles sont là. Ouais, on en a 3 là pour le moment. Le bois se termine, hein. Côté Gajamada, les amis. Ça y est, c'est officiel, hein. On commence à être à court de bois là. Hein. Sans bois, plus de ferme, hein. Plus de ferme, plus du sar. Plus du sar, plus de game. Plus de game, on est délivré. Et on est délivré, on va manger. Et après on va manger, on va dormir. Tout simplement. La boucle est bouclée. On est qu'à 1, c'est pas fini. Ah mais moi je me casse. Quoi qu'il arrive, après je me barre là. La game elle se termine et je me barre. Allez, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Allez, rends les armes, Gajamada. Rends les armes. Après on va pas se mentir, hein, mais c'est vrai que Jordan il est capable de nous faire vivre ça. Hein. C'est le seul hein, qui nous fait vivre ça, de toute façon dans tous les tournois c'est ça. Hein. T'as toujours Jordan qui nous fait vivre une game comme ça au minimum. Est-ce que du coup ça serait pas Jordan? Gajamada. Thank you.
44 d'armée pour 57. Attendez, il se passe un truc. 84 villageois côté Grégory. 84 villageois côté Grégory. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Alors après, il n'y a plus de bûcherons, hein. Donc là, les fermes, quand il va falloir les refaire, ça va être dur. Et on commence comme convenu à prendre ce bois. Non, c'est trop. C'est trop, il y a un Huskarl en plus là qui est en train de tuer les péons. Ok, on en vient donc à prendre ces bois là, hein. ...85 villes pour 117. ...61 d'armée pour 75. Ça se resserre sur l'armée, ça me fume. Ça me fout droit même. Ouais, le bon Gajamada, il a compris qu'il y avait des péons ici, hein. Il a compris qu'il y avait des péons ici maintenant. Parce qu'évidemment, il n'y a plus que là qu'il y a du bois. On va finir une game sans bois, les amis, hein. C'est incroyable, hein. Totalement, totalement incroyable. Ah, il y a des hussards ici sous ce forum d'ailleurs. C'est intéressant de s'en rendre compte. Si ça se trouve, ils ont toujours pas fini. J'avoue. J'avoue. Si ça se trouve, ils sont toujours en game. Incroyable. Ouais, on se régale là, hein. 82 villes. ...74 villes. Ok. 70 villes. Ok. Les 2 heures viennent d'être franchies, hein. 67 villes pour le joueur Go. Le petit monastère fortifié également pour protéger la woodline. Les bûcherons Go sont en train de mourir. Attention Grégory. Il n'y a plus de banque. Chez les deux joueurs, les amis, il n'y a plus de banque. Là, ça va être compliqué, hein. Il n'y a plus de banque du tout. Il n'y a plus de bois non plus, côté Grégory. Plus de bois, plus d'albardier, plus de tirailleurs. Oh là là, il se passe un truc. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Attention à ce mur d'albardier qui reste quand même déjà bien présent. Ce serait intéressant de l'éviter parce que là on s'en parlait lourdement. Le problème c'est qu'on n'a pas de contre aux albardiers là côté Gajamada. Pas le moindre tirailleur et on a que 2 canonniers à main. Ok, on a suggéré un petit peu ce qui se passait dans cette économie de ferme. Mais attention, d'autres hussards sont en train d'arriver ici maintenant. Allez chercher les derniers bûcherons, ouais, il a trouvé, hein, cette petite forêt, hein. Cette forêt les amis, elle vaut de l'or, hein, je vous le dis. Il est bon Gajamada, hein. En vrai il est pas dégueulasse quand même, hein. C'est un très 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 bon joueur, hein. Ouais c'est bien joué tout ça, hein. 77 fermes toujours côté Gajamada. Attention le mur d'albardier, on l'a dit, on peut pas franchir ce mur d'albardier là pour le moment. Faut absolument refaire des choses, des tirailleurs peut-être, non? On peut pas? Si, on pourrait, hein, un peu de tirailleurs peut-être là, hein, pour Gajamada. Les reliques, non, c'est pas des reliques, pardon, c'est des péons qui sont à l'intérieur. Les reliques, elles sont là, on en a 2 ici en tout cas. On en a une autre ici. On ferme également maintenant, c'est le joueur Gurgera, toujours pas, hein, Georgien. Il va commencer à se faire harasse les fermes. 117 d'armée maintenant pour le joueur Go, hein. Ça commence à ressembler à être, quelque chose, ça, hein. 117 d'armée. Commence à être assez énervé comme armée, ouais. Alors qu'attention, on y revient dans l'économie. Pour ces quelques hussards.
On y revient. Là c'est pareil, on y revient également pour les albardiers. Tuer quelques bûcherons, alors après il n'y a plus de forêt donc c'est pas forcément un problème. Là c'est officiel, hein, il n'y a plus de bûcherons, hein, les amis, ça y est. Hein. Zéro bûcheron du côté de Gajamada. Hein. Zéro bûcheron côté Gajamada. Est-ce qu'il reste des arbres? J'ai pas l'impression, hein. Si ce n'est en haut là, chez lui là, chez Grégory, je crois qu'il reste que ça comme arbre. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les amis, hein. C'est une véritable dinguerie. Si au milieu, où ça? Il y a deux arbres en bas, où ça? Au sud, côté jaune. Ah, mais ça compte pas ça. 6 de bois, frérot, sur l'arbre. Ça compte pas. Ah non, ici! Zars! Allez, on va y aller, hein. On va y aller sans cette forêt d'ailleurs. À ce moment-là de la game, une forêt comme ça, c'est pépite, frérot. T'es sur Black Forest, hein. Ah, je suis mort. Quel enfer. Quel enfer, putain. 37 hussards, 16 canonniers à main et 5 tirailleurs. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. 52 000 points à 42 000. C'est complètement dingue. Cependant, pour le joueur gros, c'est pareil. Hein. La forêt est terminée. Donc là c'est terminé, il n'y a plus de bois, hein, pour aucun des deux. Hein. Totalement terminé. On va récupérer deux arbres ici là, du côté du bon Grégory. Alors que la fight ici est engagée de plein fouet, on est en train de donner beaucoup du ça. Hein. Attention. Cette forêt, hein, qui va se terminer bientôt. Cette forêt qui va se terminer bientôt. 111 villes pour 90, 42 d'armée pour 85. Les canonniers à main qui se donnent un petit peu. Attention. On n'y arrivera pas pour Gajamada. On n'y arrivera pas, je pense, les amis, pour Gajamada. Encore beaucoup trop d'albardiers là, du côté de Grégory. Après, bon. Il y a un monde où tu prends les villageois. Hein. Eh, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu prends les villageois pour fighter là? T'avais dit ça il y a une heure. Ouais bah excuse-moi. Comment je pouvais savoir que cette game elle prendrait cette tournure? Au bout d'un moment. Il est en train de masser les hussards, hein, Gajamada. Hein. On est en train de les masser, ces hussards, Gajamada. Hein. Continuera de faire de la light cave également côté Grégory. Ouais, c'est officiel, hein, plus de bois, ça y est. Plus aucune souche d'arbres à récolter. C'est totalement terminé. Il n'y a plus de forêt. Fermes. Comment il fait pour avoir des fermes comme ça depuis tout à l'heure, lui? Il n'y a plus de bois, frérot. Comment? Putain, il a même trouvé un sanglier. Ah, c'est trop. Ça... ça va chercher des sangliers, carrément. Ah, c'est très grave. Très, très grave.
80 d'armée pour 90, hein, c'est une folie. Hein. C'est une folie. C'est une folie. Tant que les fermes tournent, on récupère de la bouffe. Hein. Donc on peut continuer de faire de l'hussard. Hein. Il y a un monde. Hein. Je crois qu'il y a un monde, les gars. Hein. Je crois qu'il y a vraiment un monde. Allez, attention, la fight. La fight qu'on ne veut plus prendre, visiblement, côté Gajamada. Ça va être encore une fois engagé plein fois ici. Et encore une fois, non. Non, non, on fait des feintes. Et tout Gajamada. Le nombre de fermiers descend dangereusement chez le jaune. Ouais, c'est vrai, il est à 100. C'est vrai que normalement le standard c'est 500, Raphaël. Il va falloir avec toi 500 fermiers, ouais. Ouais, ouais, totalement, ouais. Allez, la fight est engagée ici. Attention, c'est une fight importante. Très importante. On réduit considérablement l'armée du joueur Go qui se retrouve maintenant à 35. Oh, il l'a gagné. Il l'a gagné. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Waouh. Waouh, 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 waouh. D'où Jésus. Merci Good Cop. Follow me some. Bisous barbu. Bisous. Oh my god. C'était quoi la cote? Il y avait une petite cote sur Grégory. Ok. Cette game de fou mérite un abonnement. Ok, ok. Putain. C'est dur hein, de perdre une game comme ça pour Grégory le Marshall là. Hein. Très très dur. Hein. Incroyable. Merci pour les resubs les gars, à apprécier. Chasseur beige, Chasseur beige également, Nit et Wonder Seb. Marche songe également, let's go ça. Let's go, let's go. Comment on perd ça putain, comment on perd ça, waouh. C'est dingue, c'est totalement dingue. J'avoue, petite prime, santé. Merci les gars. Merci beaucoup, Sardaoul, pour les, le resub également. Apprécié. Apprécié, apprécié. Encore, 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 s'il te plaît. Allez, donc, je le mets là, c'est sûr. Hypnos, pour les 5 subs, merci bien. Donc, je le mets là, c'est sûr. Là, j'ai envie de mettre. Là, vraiment, j'ai envie de mettre Jordan, là. C'est sûr. Merci, Pedro, pour le 33ème. Forcément Jordan dans CS Games. Ouais non mais en vrai moi à la base je pensais à Yo. Mais Yo a déjà fait ça. Ouais ouais bien sûr. Bien sûr. Bah il y avait eu un délire comme ça je crois non. Tato contre Yo sur Copenhagen. Il y avait pas eu ça Tato Yo sur Copenhagen avec un Yo qui était coréen je crois quand Tato était malais. Il y avait pas eu ça. Une dinguerie qui s'est finie au bois quasiment. Si, ah, on est d'accord. Hein. Vas-y, je mets Yo. Je mets Yo, mais à tout moment, je le change. Hein, je vous le dis. C'est juste histoire de remplir la case. Avec les tours coréennes, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok, bon, vas-y, on reste comme ça pour le moment.
Oh, c'était long hein, quand même, hein. Quel enfer. Hein. Troisième game qui se jouera sur Bay, visiblement. Bon, ça va, sur Bay, il y a des grosses forêts. Ça va aller. En principe. En principe. T'imagines que c'est que le début pour les joueurs? Oui, c'est que le début pour les joueurs. Bah quand ils ont joué le BO, ouais. Ah ouais, effectivement, c'était la deuxième game. J'ai la game. Ça enchaîne. C'est parti. Greg, il va être dégoûté quand il verra le replay, nous dit Virgilus. Je pense pas, non. Allez, Dravidien contre Bengali, les amis. C'est ce sur quoi on part. J'ai faim un peu là, vraiment. Je commence à faire faim là. Je vais permettre de connecter un petit truc. Allez, Gajamada en jaune. On est reparti, hein. Je vais aller dormir, moi ils m'ont épuisé, c'est con du canard supersonique. Alors bravo. Super ça. Une map de late game, c'est encore. Bah il y a des chances hein. En plus tes civs aussi ça tombe beaucoup sur late game. Bengali, t'aimes bien jouer late game avec Bengali. Donc ouais, là à mon avis on est sur un impérial les gars, hein, je vous le dis hein. Voilà, ça en apprécie Arkaos. Bien vu. C'est les Balinis qui ont les éléphants archers. Ouais. Bah les deux en fait. Dravidien et Bengali, ils ont les éléphants archers qui sont très forts. Je sais pas, on préfère lesquels d'ailleurs. Entre les éléphants archers Bengali et... Je pense qu'on préfère ceux des Bengali quand même. On a ligne de sang. Ça me paraît... évident, mais dans tous les cas, c'est rare d'avoir une confrontation d'éléphants archers comme ça. Je me demande même si j'ai déjà vu ça depuis que les deux civs existent. Je crois pas que ça existe. Hein. Une game où les deux joueurs se la mettent à coups d'éléphants archers. Y a pas énorme de forêt. Bah. Ouais, bon, non, porte pas la poisse, frérot. Non, c'est bon. Allez, on va se pousser quelques serres pour Gajamada. Pareil, hein, pour Grégory. Deuxième sanglier également qui sera trouvé. Série. On n'a pas docké pour le moment côté Bengali, c'est assez surprenant. Est-ce qu'on irait docker maintenant? J'en ai bien l'impression. Ouais, ouais, on y va. Attention au timing. Scout de Grégory qui débarque là. On n'a pas mis de chat ici, attention. Mais il y a le scout, c'est ok. Bateau de pêche qui tourne côté Grégory. Oh yeah. On sent le premier joueur RG avec les matchs qui ne terminent pas faute de lumière. Quoi? On sent le premier jour RG avec les matchs qui ne terminent pas faute de lumière. J'ai absolument rien compris. Ça veut dire quelque chose que tu viens de dire? Je suis le seul à pas avoir compris les gars ou Ah Roland Garros. Ok. Ok, je comprends.
Bon, j'aurais préféré finalement ne pas comprendre, mais ouais, je comprends. Un peu bas, j'ai l'impression. Ouais, c'est parce que je suis en train de manger un petit peu. Je mange des Pringles là. Histoire de tenir un peu, j'ai trop faim là. J'ai trop trop faim, c'est abusé. Allez, c'est cliqué. On va trouver un deuxième doc côté Grégory. Elle est aussi pour un deuxième doc, j'ai l'impression, côté Gajamada, avec le scout de Grégory qui passera en touriste, sans sanctionner. Ouais, c'est bien joué ça. Bien joué. Au fast wall qui sera trouvé. Attention Gajamada, attention Gajamada, attention Gajamada. Ouais, on a eu chaud là, hein, Gajamada. Hein. On est pas mal hein, pour le joueur habillant ici. Hein. On a un bien bel uptime. Deux fire alors qu'on est encore bloqué à la chombe côté Gajamada. De quoi gagner la bataille de l'eau très facilement. Hein. En plus, on a fait qu'un bateau de pêche, on a été assez prudent. Du bois pour Gajamada. Et le premier bateau de pêche qui sera certainement trouvé pour Grégory. Allez, voilà qui est fait. Direction le deuxième, peut-être. À stacker les bâtons en garnison, on va commencer à trouver également quelques démolitions là du côté de Gajamada. On a également démolition qui attend sagement du côté de Grégory. Un début de game intéressant pour le joueur Dravidien. Domine pour le moment. On va trouver le deuxième kill économique là dans deux secondes. C'est pas mal. Est-ce qu'on trouverait une caserne maintenant peut-être? Est-ce qu'on essaierait de proposer un switch sur le land? Peut-être un peu trop tôt. Attention, j'essaie de surprendre là pour Gaja. Trois fire de chaque côté, mais le démolition, on l'a dit. Des deux côtés même, mais attention. Ouais, beau split, on a hésité. Hein, côté Grégory, on se contentera du coup de faire du 1 pour 1. Deux autres fire pour continuer d'avoir l'ascendant sur cette eau. C'est bien amené pour le moment. Et on va devoir refaire beaucoup de démolition maintenant pour Gajamada. Hein. Trop joli ça, très joli. Très 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 jolie démolition qui sera trouvée par Gajamada. Toujours pas de caserne côté Dravidien. On vient d'ailleurs s'en assurer peut-être pour ce scout bengali. Et on va commencer maintenant à trouver peut-être aussi quelques kills économiques là. Attention les démolitions hein. On peut faire des belles choses ici hein. Allez, ça rend les coups côté Gajamada qui a pas dit son dernier mot visiblement. La peonne également a un HP, elle a eu chaud. On pourrait peut-être essayer même de la sniper avec les fire hein. Oh c'est bien joué ça Gajamada. C'est très bien joué. 31 villageois pour 28 maintenant à l'avantage du joueur Bengali. J'aime pas ce wall par contre. J'aurais préféré waller avec les maisons comme ça. Rejoindre la forêt et après trouver ce wall là. Et de cette manière on aurait été full wall. On a arrêté de produire côté Grégory. Est-ce qu'on aurait pour ambition de give up l'eau ici? Mais dans ce cas là si on give up l'eau, on voudrait peut-être une caserne pour le joueur d'Avidien. Ouais, on a totalement arrêté l'investissement là côté Grégory. À défaut d'une caserne, on va faire un marché. On a un petit peu d'extra gold.
L'eau est gagnée, hein, c'est officiel. On va s'en assurer, j'imagine, en voyant ce qui sort de ses ports pour ensuite peut-être reficher du côté de Gajamada. On ira même chercher un dernier démolition, visiblement. Ok. On a une forge également pour Grégory. Une banque qui va permettre de cliquer dans peu de temps. Le marché également pour le joueur Bengali qui va avoir certainement la même approche. Hein. S'acheter la nourriture manquante pour passer à l'âge suivant. Question d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on ferait ? En partant du principe où Grégory, ça serait Doubt. À mon avis, on va partir sur une game macro forum. Quoique. Ils vont où ces quelques villageois là ? Qu'est-ce qu'on va venir proposer ici ? Parce qu'on n'a pas encore cliqué, on les envoie tôt, mais ouais, du coup, ça pourrait partir peut-être sur un push côté Grégory. Ok. Ouais, ça va pusher, hein. Ça va pusher, les amis, pour le joueur drabidien. Intéressant. Alors qu'on a une caserne qui va être proposée par Gajamada. L'œuf de l'or également pour Grégory. On rappelle qu'on n'a pas rédemption avec Dravidien. Alors qu'on l'a côté Bengali. Sur un push Dravidien, typiquement, le joueur Bengali pourrait défendre un coup de moine avec rédemption. Et ça serait quand même assez délicat, je pense, pour le joueur Dravidien. On n'a pas encore ces informations, hein. Côté Gajamada, on a perdu le scout. Et je vois qu'il y a un lancier qui est proposé. Avec un scout également, donc peut-être une information. Et peut-être même, pourquoi pas, deny un éventuel atelier de siège, hein, qui viendrait être proposé juste ici là. Ce serait pas mal, hein. Bien inspiré le bon Gajamada, hein, après cette dernière game de 2 heures là. Ouais, oh, c'est super cette information là. Oh là, ça sonne les cloches. Ok. Allez, atelier de siège. Il sera proposé ici. Un scout qui va intervenir également. Peut-être. C'est dur. Il y a des lancers, c'est très dur. Monastère également pour Grégory. Monastère en défense. Jusque-là, aucune surprise. Beaucoup d'or. Donc, je pense vraiment qu'on va essayer d'aller chercher des moines et des rédemptions à terme. Ça me paraît assez évident. Ça me paraît être le meilleur call. Monastère versus une cible qui n'a pas de KTS. Mais je pense que l'idée c'est de convertir le siège en fait, Shenzhen. On va chercher rédemption à terme. Convertir le siège, ouais, ça me paraît être le call. Ah, tu parles du joueur d'Arabidien. Ok, je crois que tu parles du joueur Bengali. Pour ça, je comprenais pas. Allez, 2 mangonos là, hein, qui vont être trouvés pour Grégory. L'œuf du bois, sainteté pendant ce temps-là côté Gajamada. On va trouver piqué également pour le joueur Dravidien. Et rédemption. Rédemption comme convenu qui va être cliqué pour le joueur Bengali. Allez, on va voir un petit peu ce que ça raconte en termes de défense. Allez, petit forum qui sera trouvé également malgré le push. On n'oublie pas les fondamentaux côté Gajamada. On a maintenant 3 mangonos du côté de Grégory. Il est énervé le bonhomme. Hein. Il est énervé, hein. Qui vont commencer à arriver. Est-ce qu'on peut prendre ici un mangono? Attention, 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 on change de cible. On change de cible. Malheureusement, on ne trouve pas de conversion de mangono. Un autre moine peut-être pour faire la différence. Attention, encore une fois, au shoot de mangono. Ouais, on va perdre un moine ici pour Jean Bengali. 4 mangono maintenant côté Dravidien. Ça commence à swinguer ces histoires. Hein.
Et le Mangono qui sera trouvé pour derrière en sniper un autre. Est-ce que... J'allais dire, est-ce qu'on peut en prendre un autre derrière? Ce serait complètement incroyable. Quoi qu'il en soit, conversion très rentable. Côté Gajamada, qui ralentit considérablement l'avancée de Grégory. Grégory qui vient maintenant chercher Dévotion, le déferme. Oh, et on ira même chercher un petit forum là-bas, là, du côté de Gajamada. Intéressant. Ouais, bah, attaque de zone. Troisième forum pendant ce temps-là, côté Grégory. Est-ce qu'on peut choper une conversion là peut-être pour ce moine? Mangono se prend la malle, hein, malheureusement on n'arrivera pas à le trouver. Oh, on l'a trouvé! Derrière on vient sniper le Mangono, le pion forward, pardon. Excellent. Excellent encore une fois pour Gajamada. Domine très bien, défend très bien pour le moment. Conversion de quelques piquets peut-être. Effectivement, on chopera un petit piquet. C'est très bien défendu, hein. Côté Bengali là, c'est extra... Oh là 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 là. Et en plus on vient contre-attaquer derrière avec de la Laika via un moine. C'est excellent ce qui est proposé ici. Perd le contrôle de l'or maintenant pour Grégory. Ouais, 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 c'est super, hein. Super ce qu'il propose. Et derrière ça vient pêcher à son tour pour Gajamada, qu'il estime ne plus y avoir de danger devant chez lui. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. À prendre un petit peu de pierre côté Dravidien. On vient convertir également la caserne, l'atelier de siège avec les moines, toujours ça de prix. Alors que ça tourne un petit peu d'ailleurs pour ces Mangono, hein. On a vu qu'il y avait un forum ici, mais visiblement pas intéressé pour aller le pêcher. On va plutôt s'en servir peut-être pour défendre. Allez, la brouette qui sera trouvée pour Gajamada. On va retrouver également un petit monastère dans cette zone. Et on va commencer à dire bonjour. Ouais, le bon Grégory qui va comprendre du coup maintenant, hein, que ça va être à lui de défendre. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué, on l'a dit. Pas de rédemption côté Dravidien. Il va falloir du coup miser sur un petit peu peut-être de light cave. C'est pour ça qu'on clique light cave, j'imagine. ...62 villageois pour 85, hein. Quelques light cave encore une fois, qui vont aller dans le fin fond de l'économie, voir ce qui se passe. En plus, un attaque également qui sera trouvé du côté de la cavalerie bengali. Troisième Mangono, une Fury Forward également qui va être trouvée. Attention à Grégory qui est en train de prendre un revers. Ça va être vu normalement avec la ligne de mire de cet atelier de siège. De light cap qui vont tenter un move. Des conversions qui vont être tentées très certainement également côté Bengali. Attention, on a compris que ça passerait peut-être pas côté Grégory. Et on va se barrer, hein, pour cette light cap. Pour un midlife. Faudrait un Mangono en défense en vrai là, hein. Atelier de siège en défense peut-être, ouais il est là. On va commencer à sortir quelques Mangono. Alors que celui-ci pourrait peut-être changer de couleur. Ouais, on va le tenter, hein. La conversion peut-être du Mangono ici pour le joueur Bengali. Malheureusement non. On va atteindre les 100 villageois dans quelques secondes les amis hein, pour Gajamada. Macro encore une fois exemplaire pour ce joueur. Avec le puissant défense sur la cavalerie qui est maintenant trouvée. Attention, on va commencer à charger là. Attention, séquence importante. Du piqué et de la light cave. Très 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 compliqué de prendre les bonnes décisions sur savoir quoi convertir. Ouais, on fera du trade quand même un minimum.
au niveau des mangonos, mais ça reste une séquence à l'avantage de Grégory, en tout cas au niveau des mangonos couchés. Le problème c'est qu'on en repère un autre ici. Oh là 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 là, et le château qui sera trouvé maintenant pour Gajamada, et le GG qui sera trouvé. Oh là là, c'est un gros joueur ce mec, hein. C'est un très 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 gros joueur. Qui se cache derrière ce pseudo? Parce que ça joue sacrément bien. Hera obligé? Bah, en vrai, on a des indicateurs qui pourraient laisser penser que ça serait du peut-être Hera. Genre les hussards à l'infini de la game d'avant. Ça, c'est typique Hera. La défense de Zinzin, une tool contre-push, ouais, ça peut totalement coïncider sur du Hera. Mysterio, pour moi, ça marche aussi, hein. Genre la grosse résilience, le gros forcing et tout, mais c'est vrai qu'Hera, ça a du sens, hein. Hera, Tatoyo, je pense que les trois peuvent faire ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Ouais. Faut se rappeler aussi de la game sur bypass. Hein. La game sur bypass, on a eu un coup manque à trusher. Je verrais pas Hera partir sur ça. En l'occurrence, je verrais plus Tatoyo. Pour moi, ça se joue entre Tatoyo là. Plus que Hera. Ce serait pas si tôt, Grégory. Non, Grégory, c'est out. J'en suis autant sûr que je suis sûr que MBL, c'est auto. Ouais, ouais, totalement de hasard. Exactement. C'est pour ça que moi, la game, première game m'a fait penser à Yo. Hein. Première game m'a fait penser à Yo. Et en vrai, la deuxième, avec les tours défense. En fait, la deuxième sur le féodal, là. Fin féodal, début château, quand il a commencé à faire des tours en défense et tout. Ça, c'est aussi un play à la Yo, ça. C'est aussi un play. Ouais, je pense que je vais rester sur Yo. Je vais rester sur Yo. Là, on a un Yo d'out, les amis, je crois. Avec un Yo en grande forme. Très grande forme. Parce que c'est un peu le problème de Yo, hein. C'est que des fois, c'est un dieu. Et des fois, c'est beaucoup moins le cas. Je crois qu'on a un Yo des grands jours, là. On part sur Hidden 4. J'ai la game. Putain, ça enchaîne là par contre. Hein. Comme par hasard. Hein. Tinenti est fatigué, ça enchaîne. Hein. Allez, on est parti. Hidden 4. Hop là. Sarrasin. Litu. Sarrasin. Tato, il aime bien les Sarrasins. Tato, il aime bien les Sarrasins. Ça commence à m'énerver cette histoire. Choisir la réponse, déjà on va valider la game d'avant. Gajamada donc. Hop. Ça commence à bien m'énerver cette histoire, ouais. Lituanien Sarrasin. On a bien abusé du marché à mon avis là pour jouer Sarrasin. Je verrais bien en face castle. C'est rapide là avec un bon abuse market bien gras. Vas-y à plus Griffy. Bon en tout cas c'est la première balle de match les amis. Hein. C'est potentiellement la dernière game de la soirée. On se retrouve demain à partir de 15h30. Quoi qu'il arrive.
Qu'est-ce que t'es con, Arcaos, putain. Qu'est-ce que t'es con. Oh, alors attendez. Là, on peut observer quelque chose. On notera que Gajamada, il a décidé de ne pas faire de camp de bûcheron ici, mais plutôt ici, retardant du coup l'échéance du trou. Ça, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Ok. C'est quoi la stratégie alors? Sanglier qui sera trouvé. Ça donne quoi au niveau de la cote? Ouais, Gajamada favori, normal. Ouais, bien sûr, Flimoux, mais là on n'est pas sur la même approche. C'est-à-dire que là on ne creuse même pas un tout petit peu. C'est là où c'est assez surprenant. Putain, en vrai, Marine Lord Wolf Silver en MMA, ça doit être incroyable comme combat, ça. Je paierais cher pour assister à ça. Amron. Allez, mais Katissé sera trouvé pour Grégory. Pareil pour Gaja. Et c'est cliqué côté Grégory, petite avance. 18 de pop ici. Les extra sangliers, c'est là où c'est surprenant en fait de totalement dodge le milieu comme ça, parce que profite pas des extra sangliers. Alors on avait vu Otto tout à l'heure proposer une sacrée dinguerie sans ça, mais je pense quand même que globalement ça reste plus fort d'avoir les extra sangliers, hein. Pas de prédiction, ceci a déjà eu lieu, tu l'as raté. Allez, la caserne pour Grégory. Il devrait se motiver, j'imagine, à faire une écurie. Ça, c'est joli, ça. Petit truc de la palissade, là. Qui sera trouvé côté Gajamada. Donc finalement c'est pas forcément un fast castle, hein. On va faire un scout rush ici, hein. On va faire des scouts. Des scouts qui auraient pour mission de punir peut-être quelques cueilleurs. Pourquoi pas. On a compris, hein, pour Grégory, hein. On a compris que ça ne prenait pas le bois ici. Le déferme également pour Gajamada. On va commencer à venir mettre un petit peu de pression sur les pions qui wall. À terme, on aura un full wall a priori pour Grégory. Très certainement même. Le déferme aussitôt, c'est un argument contre Hera égale Gajamada. Non, je pense pas. Là, il fait les fermes aussitôt, tout simplement parce qu'il en a besoin. Il fait les fermes et il a pas d'extra sanglier et tout, donc bref, c'est normal ici de faire les fermes, surtout quand tu fais un scout rush, c'est ok. Mmh.
pour qu'il m'y abuse les bonnes choses du côté de Grégory. Un Grégory qui va envoyer ses scouts milieu de map. Bon, on ne fera rien, a priori, jusqu'à l'âge des châteaux pour Grégory. On n'en fera rien de ses scouts. On aurait mieux fait de passer plutôt par le haut de map. Et essayer de s'offrir un timing. Le marché tant attendu pour le joueur sarrasin qui à mon avis va vendre sa pierre les amis. Je pense du moins. Attention à pas se bloquer avec les bûcherons. Voilà qui est fait. On a une forge également qui sera trouvée pour Grégory. Alors on roule une bonne partie de la map en tout cas là pour Gajamada. J'arrive pas à me projeter réellement, je sais pas trop c'est quoi les plans de jeu là. Qu'est-ce qu'on ferait pour Gajamada à dodge le milieu comme ça? Qu'est-ce qu'on ferait? Le fait de pas avoir créé le trou au milieu, ça veut dire que si Grégory veut jouer agressif, il est obligé de jouer les extrémités parce que il peut pas cutter les arbres avec les mangonos, ça marche pas. Donc ouais. En jouant comme ça pour Gajamada, on force la game à se dérouler soit en haut, soit en bas, je pense. Voilà, attention quand même au scout de Grégory. Hein. Ils sont en train de tourner là, ça va sniper un petit lancier. Une 200 également qui sera trouvée pour Grégory. Ouais, mais ça n'empêche donc que même s'il est légèrement devant, le joueur lituanien ici fait des grosses économies de ressources. Puisqu'il n'a pas eu à investir dans les fermes pour le moment. Attention, un sanglier qui est à l'arrêt. Ouais, il va se barrer, peut-être prendre un bûcheron. Ouais, c'est ok. On a vendu la pierre comme convenu côté sarrasin. C'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'on ne pourrait peut-être pas poser de forum, sauf si on rachète la pierre une fois château. Et très curieux ce plan de jeu. Hein. Très dur de se projeter sur ce que veut nous apporter Gajamada en termes de stratégie là. Hein. Ok, Grégory, le standard, les forums, très vite proposé. On a racheté 100 pierres également côté sarrasin. On est en train aussi de faire une transition à la pierre pour ce même joueur. Je vois bien un forum là tout de suite, hein, en 10 secondes là pour le bon Gajamada. On va trouver également une petite forge. Et effectivement, donc forum à côté de cette pierre. L'œuf du bois qui va maintenant être trouvé côté Gajamada. On peut aussi se racheter son pierre tout de suite et maintenant et refaire un troisième forum très vite. Hein. Totalement possible. Ouais, le troisième forum du coup, hein, comme convenu. Pour le moment c'est une game macro. On va commencer aussi à jouer les reliques j'imagine. Il y a du moine qui est proposé côté lituanien. Le premier en tout cas est ici avec une relique à portée de main.
Pareil, on trouve le monastère et le premier moine, côté sarrasin. Il se passe pas grand chose hein. On espère sniper les moines j'imagine ici pour cette light cave sarrasine, mais pas vraiment de timing qui s'offre à cette light cave. On continue de boomer. Est-ce qu'on va faire preuve d'une aussi bonne macro que sur la game 1 pour Gajamada? Est-ce qu'on s'en rappelle hein, de cette première game, une macro de zinzin? Est-ce qu'on serait pas amené à faire plus ou moins la même chose? Je verrais bien un quatrième forum là, je sais pas, dans les 2-3 prochaines minutes. Mais c'est marrant parce que on le voit hein, le fait qu'il n'y ait pas de trou ici, ça change totalement la dynamique de la game hein. Je suis quasiment certain qu'il y avait eu un trou ici pour Gajamada, le joueur lituanien il joue autrement hein. On va commencer à prendre un petit peu de pierre maintenant pour Grégory. La brouette qui sera trouvée pour Gajamada. Ouais, donc on n'a pas encore possession côté Grégory. Beaucoup de bois cependant pour Grégory, il serait intéressant de rajouter des fermes. On a une deuxième écurie qui a été trouvée également pour Gajamada. Pas de quatrième forum pour le moment. Antoine pour le prime, merci beaucoup. Apprécié. Apprécié, apprécié. Allez, bien joué cette light cave là qui sanctionne un moine. Actuellement une relique côté Gajamada. 0 pour Doubt. Enfin pour Grégory, pardon. 0 pour Grégory. Bon après il y a deux reliques là à portée de main mais qui sont pour le moment contrôlées par des light caves de Gajamada. Ouais, le quatrième forum. Et le quatrième forum qui aura pour mission de créer le trou à terme, hein, très certainement. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il ait pas cette information. Grégory. Allez, c'est super. Pour Gajamada, en tout cas, on a ce forum qui est toujours tapis dans l'ombre. Pendant ce temps-là, le quatrième TC côté lituanien, 69 villes de chaque côté. Une brouette cependant côté Gaja, alors qu'on ne l'a pas côté Grégory. Attention à ça. Deuxième écurie maintenant pour le joueur lituanien. Toujours aucune relique dans ce monastère, hein. C'est quand même fou ça. Hein. Il joue bien Gajamada. Hein. Il joue quand même très bien, hein. C'est très réfléchi. Hein. Et regardez la relique. Hein. Regardez la relique qui va être récupérée peut-être par ce moine sarrasin. C'est extrêmement bien amené. Pareil pour celle-ci. Ouais. Très bien amené. Allez, tout de suite, hein. On saute sur ce moine. Derrière, on va essayer de bait les lanciers, peut-être, pour que le moine derrière puisse prendre la relique. Non, on va surtout tenter une conversion, visiblement. Ouais, voilà qui est fait. Troisième relique maintenant garantie pour le joueur sarrasin. Et la quatrième qui vient d'être élevée ici. Alors attention, parce que la quatrième, elle pourrait être récupérée en chemin par justement Grégory. Sauf si on décide de bait encore une fois, et c'est exactement ce que fait justement le bon Gajamada là. Qui bait. Ah, c'est lucide cependant Grégory qui a su envoyer deux scouts au loin pour essayer peut-être de rattraper justement cette relique. Qui sera quand même pour le coup bien rapproché. Hein. Ouais, le moine qui va tomber là-dessus. 92 villes pour 88, 14 d'armée pour 14. Toujours pas de brouette côté Grégory. 41 fermes cependant.
commence à avoir aussi pas mal de bois en banque côté sarrasin. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend, on fait des fermes, on va faire des écuries dans un premier temps. Et malgré ça, il nous reste encore 700 de bois. Transition chameau maintenant pour le joueur sarrasin. Je crois qu'on a compris justement. On a compris que les chameaux sarrasins allaient commencer à arriver. Transition piquée par conséquent. Mais. Ouais, c'est super bien amené de la part de Gajamada. C'est tellement propre. On a un timing de zinzin sur l'impérial. C'est tellement propre. On a l'impression qu'il connaissait déjà le déroulement de la game en fait, Gajamada là. C'est abusé. Extrêmement propre, bordel. Hein. Cependant, il nous manque un bâtiment si on souhaite EP. Pour cette raison qu'on vient faire l'université ici. C'est du ERA ça, ouais. Ouais, peut-être bien. ERA contre Doubt, peut-être bien. Ouais, c'est bien fait avec quelques pions également, c'est bien joué. On a un très bon late game en plus avec Sarrazin, hein. On a énormément de réponses à apporter à ce que peut faire un Lituanien. Hein. Brouette est enfin trouvée pour Grégory. On va commencer à s'installer un petit peu sur ce milieu de map. Ça y est, le trou est fait d'ailleurs, hein, côté Gajamada. Ligne de sang, plus 2 d'attaque à présent du côté de Gajamada. Charrette à bras également qui sera trouvé. Et les archeries proposées du coup ici pour une transition, je pense, archer à pied. Je pense pas qu'on a envie de s'emmerder à faire archer de cavalerie. Préférez partir sur archer à pied. Château qui sera proposé ici. Et pourtant non, c'est bien et bien archer de cavalerie qui sera trouvé côté Gajamada les amis. Ok. Intéressant. Bah ouais, j'ai évidemment. Avec Lituanien, te considérer content quand t'as 3 reliques. 2 t'es déçu et 1 bah tu fais la gueule quoi. Hein. Clairement, clairement. Allez la balistique maintenant pour le joueur sarrasin. Le deuxième château en tout cas est très sympa. Vient proposer un joli point d'appui. Et du coup on va se battre pour le milieu. On a dodge le milieu toute la game pour Gaja. Mais par contre sur le late game il est hors de question que de le laisser comme ça au joueur lituanien. On va totalement reprendre le contrôle de ce milieu de map là pour le joueur sarrasin. Allez, on y est. Un trébuchet bien évidemment qui sera trouvé ici. Et certainement un deuxième dès que le deuxième château aura popé. Voilà qui est fait. Alors qu'on se retrouve avec beaucoup de piquets hein, côté lituanien. Des piquets qui ne marcheront pas des masses hein, contre les archers de cavalerie. Quand eux aussi en tout cas seront massés. Bac de pouce plus 3 d'attaque et chimie trouvée côté Gajamada. Et on est maintenant sur 4 archeries. Un petit peu de pression également. Hein. Très actif hein, le bon Gaja. Hein. Toujours, hein, toujours très 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 actif. En défense sur les archers de cavalerie. Le joueur lituanien qui va payer dans 45 très longues secondes. D'ici on aura bien évidemment perdu le château depuis belle lurette. On va également aller chercher un primerie du côté du joueur sarrasin. Ça tend peut-être un jour à des 40 bombardes, j'imagine, côté lituanien. Très certainement. Très certainement. On va refaire un château beaucoup plus safe également dans l'économie côté lituanien. Et Alvardi qui sera trouvé. Pendant ce temps-là, un nouveau château qui sera proposé pour Gajamada. Pardon. Ouais, c'est un très gros joueur, hein, Gajamada. C'est un énorme joueur, hein, très clairement. C'est du très solide, ça. Hein. Très solide. Hein.
Ouais, nouveau château qui pop, c'est excellent. Totalement excellent. Bouclier rectangulaire maintenant pour Grégory. Pour en faire profiter les albardiers. Pendant ce temps-là, quelques archers de cavalerie qui viendront trouver quelques péons. 167 de pop pour 167, 130 hommes d'armée pour 127. Et au score, on s'envole déjà lourdement côté Gajamada. Hein. Taki part maintenant qui sera trouvé sur ses archers de cavalerie. Attention à la micro par contre, un petit peu détestable côté Gajamada, méfiance. Pas dramatique mais attention tout de même. Les archers de cavalerie maintenant sur la woodline. Grégory se fait malmener. Totalement malmené, ouais. Bon Grégory. Hein. On va voir si cette transition de cavalier qu'on est en train de mettre en place là pour le joueur lituanien peut éventuellement l'aider. Pendant ce temps-là, on va trouver archer de cavalerie lourd. Hein. Côté Gajamada, on a même pas un temps d'avance. Là, on a deux temps d'avance hein, pour le joueur lituanien. Attention quand même à cette masse là qui est en train d'arriver. Ouais, chameau lourd aussi qui est trouvé. Wow, c'est une folie. Cette compo, c'est une folie. Allez, on va rebrousser chemin, on aura perdu deux trèbes ici, bon, pas forcément dramatique. Alors que dans l'économie, attention, on continue de prélever une tonne. 35 kills économiques actuellement au compteur du côté de Gajamada. Attention également à ne pas trop s'empaler sur ces albardiers de Gajamada. Attention, occupé ailleurs très certainement, on en a oublié tous les archers de cavalerie. Aïe, ça fait quand même un petit peu mal. Nouveau château qui sera trouvé plus haut maintenant pour le joueur sarrasin. Ouais, expert de siège également qui sera proposé pour Gajamada, c'est très futé ça aussi hein. Ouais ça colle. Ouais y'a rien à dire hein. Y'a rien à dire hein. C'est... Ouais, Gajamada c'est du très très solide hein. Et pourtant Grégory il était pas dégueu hein. Il a proposé des belles games aussi hein, mais ouais. Ouais Gajamada trop fort. C'est très propre. C'est très très propre. Pour moi, c'est Eraouyo ça. Hein. Est-ce que Yo il peut infliger 4-0 à Taut comme ça aussi brutalement? Surtout sur la dernière game. Ha. Tato, ouais, Tato, j'avoue, il y a Tato aussi, putain. Parce que Viper, je le mets ailleurs. Pour moi, Viper, il est... pour moi, Viper, il a joué hier. C'est Vasco d'Agama, pour moi, Viper. Tiens, je te le donne si tu veux, hein, Crosscu. Ouais, je vais laisser comme ça, de toute façon... Tout ça c'est amené à changer. Tant qu'on n'a pas vu toutes les personnes jouer, il est évident que ça va être amené à changer. Donc je laisse comme ça pour le moment. Et on verra. C'est Lyrae Vasco? Non, jamais. Jamais de la vie Lyrae c'est Vasco. Jamais au grand jamais. On va aller sur le stream de TNT vite fait pour voir ce qu'il se raconte. Il va y avoir la prédiction, le sondage sur son chat. Voir un petit peu ce que les gens pensent de tout ça. On Twitch, you'll have an option to type a number in the chat. Now, the most recent number that you type will be your vote. So if you type 11, for example, to laugh right now, as people do in Age of Empires. Alors. You can override your vote if you would like to. We've got the Gregory the Seventh vote now. Who do you think lost 4-0 today, playing like a beast against Gajamada? Predict away. I'm seeing a lot of very talented players get voted for right now, Orlu.
Well, to be fair, we have 16 very talented players in this tournament. To be fair, but I do think that the votes seem to be leaning slightly towards Winchester. And c'est I think jamais that Winchester. I wouldn't feel comfortable with any guess until at least I've seen everyone play. If I had to pick right now, I think Winchester might be the best example. Just maybe just flubbing a few small aspects and then the Goth play and just trying to grind things out in the late game, but it not quite being enough. That does feel Winchester-esque, but it could be anyone. Okay, maybe a Sateau? No. Seeing some votes fly in for Viper there. I wouldn't think Viper would get 4-0'd, but then again, some of the games are really close. Is Viper I don't think Viper about would be broken even by the evacuation game. Like those you don't think he'd be broken players like emotionally come game three. Yeah. But Viper would pick Dravidian's first pick and have he would absolutely. And then have it not work. Like the Dravidian's thing is making me think we might have just seen Viper lose. But it is Winchester, according to the community. Jordan and Doubt voted right behind them. Or behind him, rather. And then let's vote for the winner here, guys. I mean, again, there's lots of talented players in our scene. So you could see people voting for many different names here. But the community voted that Hera played in the first series, that it was Hera as Vasco da Gama. It was pretty landslidey. I think it was like 40%. Keeping that in mind, we haven't had anyone vote for like Leary or Viper or Tato really yet. We're halfway through the first round. We'll see who people think Gajimato are. But, you know, every Hidden Cup, we have repeats. Vote away on who you think the winner of that series was. And what is your vote, Ornlu? What are you thinking right now? Like Twitch chat, I think it is Tato. I think that the level of play is just absolutely up there. You have the strategic variety. You have picks like Humans and Saracens. And going for the demos with Georgians. Georgians also feel like a Tato pick. And just the fact, I think more than anything else, it was maintaining that tippy top level of play in like every single possible situation. Mm-hmm. And I agree. To me, that screams Tato. Okay. I agree with you. There's two other names that come to mind that it could be. Viper, I actually think, is not a bad pick. Viper's won 3 Hidden Cups before. Viper has 4-0'd many talented players before. Viper likes to play that late game style. The late game grind. Viper would be in conversation possibly with players about these mule carts and these new sieves and these strats. And then has to be Hera. 100 farms. Beating a Haub player with Hussar on evacuation. I think those are the three that come to mind for me. And the level so high for Gajimata, I'm not sure I could even tolerate any other guess. Though, of course, it could be. Names other than that. But oof, what a performance. Yeah, I mean, I think that the level of play, Mr. Yo and Leary and Shape absolutely could be there as well. I just don't think stylistically it makes sense for either of those two. I agree. Also, an interesting side note, if you're a player who really likes Cumans, any other tournament that is always banned because they know you like it. In Hidden Cup, they don't know it's you, so they will not ban it. And then maybe, of course, they find out later how good you are with them. Tato, 64%. All right. Well, ouais. Moi, je sais pas où c'est que les mecs ils ont vu un Winchester là. Mais pour moi, c'est jamais Winchester ici. Non. Winchester il peut pas proposer ce genre de game. Je pense pas. Non. Tato, il y a moyen d'ouf. En vrai, ouais, mais il l'a dit, Tinanti, il a dit. En vrai, bon, on a des éléments qui pourraient nous faire croire que c'est Hera, parce que voilà, Hera, il arrive à battre des albardiers avec des hussards, les sans-fermiers, etc. T'as Tato qui a fait son play démolition, le play coumant, etc. C'est pareil. Enfin, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais le truc, c'est que sur évacuation, je vois pas Tato, moi. Tato, à la limite, sur bypass, je peux le voir, mais pas sur évacuation. Donc, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Vraiment compliqué. Moi, sur évacuation, je vois Mysterio. Hein. Vraiment. Hein. Même sur...
Même sur Bypass, en vrai. Pour moi, ça se joue entre... Peut-être entre Yo et Tato, finalement. C'est peut-être pas Era. Hein. Mais le truc, c'est que sur la dernière game, bah, je verrais plus un Tato. Tu vois. Un Tato qui fait un truc que personne ne fait, c'est-à-dire ne même pas couper l'arbre au milieu. Et macro solide pour un gros push late game comme ça. Ça, c'est Tato, ça. Plus Tato que Yo, finalement. Non, c'est mort, Gilles Jeune. Je suis fatigué à ce fuck, là. Je vais aller manger, gros, et après... Je m'éteins. Ouais, je suis d'accord, Falcostrix. Va falloir attendre de voir les étapes suivantes du tournoi, ouais, pour peut-être mieux déterminer de qui est ce mec. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un très gros joueur. C'est certain. Trop solide. Beaucoup trop solide. Malin comme un tato, ce Gajamada. Ouais. Et puis même la game sur Bay. Hein. Défense, moine, pour ensuite aller contre-pusher. C'est fort aussi, ça. Hein. Eh ben tant mieux, Marco Diabolo. Tant mieux. Les amis, je vous abandonne là-dessus. Je suis vraiment fatigué, là. Je vais aller manger. Je vais me coucher tôt, je pense, ce soir. En tout cas, bien plus tôt qu'hier, ça c'est sûr. Donc je vous remercie avant de partir pour cette soirée, cette journée. Merci pour les subs, les resubs. Merci pour les gifted subs. Merci à Dimitri également qui a passé une commande sur la brigade de Véro. Merci à lui, évidemment. Et je vous dis du coup bonne fin de soirée, les gars. Faites de beaux rêves et à demain. Ciao, ciao.